Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue pour cette saison 12 de la Watt Adventure, première semaine pour ces deux équipes de la division 3A. Aujourd'hui, Azurix versus 60K, on est sur des équipes à peu près de niveau Low Master Diamant, donc on devrait avoir vraiment des rencontres très intéressantes ce soir. Je me nomme Mookie Bibi. Mais je ne serai pas seul ce soir pour cast ces matchs puisque je serai avec Panda. Bonsoir Panda, comment Et vas-tu? oui, bonsoir tout le monde, je vais très très bien pour cette délicieuse soirée qui va arriver. Très hypé de voir ce match. Deux équipes, voilà, comme on le disait, de cette division 3A. On est sur des équipes qui commencent à aller chercher du circuit Mastercard Nexus Tour, ancien Open Tour. Deux équipes qui voilà vont avoir je pense beaucoup de choses intéressantes à nous montrer. Des gens qui ont Alors faim. il y a des gens qui ont enfin deux équipes qui voilà vont essayer d'aller chercher on rappelle un peu le format dans cette division. On a deux groupes de cinq équipes de chaque côté, donc là on a la poule A. Les quatre premières équipes de chaque poule seront qualifiées pour les quarts de finale derrière, donc il faut éviter cette cinquième place qui est un peu la place de la relégation où on va aller jouer un duel pour savoir si on descend en division 4 ou pas. Et donc du coup, il faut assurer ce top 4, mais il faut en même temps aller potentiellement chercher une première ou deuxième place pour s'assurer de jouer contre le troisième ou le quatrième de l'autre poule et s'assurer, j'ai envie de dire, un assez bon match-up sur le quart de finale. Et je pense que les deux équipes vont avoir envie de démarrer le mieux possible Exactement. cette nouvelle saison. On s'attend à des joueurs avec des bonnes mécaniques, hein, du gros gameplay, je pense. De toute façon, ils n'ont pas le choix. Ils vont chercher à gagner des deux côtés. Surtout qu'avec la nouvelle saison, on devrait s'attendre à sûrement des compos qui changent d'habitude. Donc de l'exotisme, sûrement. Ouais, on a pu voir, hein, il y a déjà eu un week-end de LEC. Après, évidemment, les picks qui sont utilisés par les top players de la région ne sont évidemment pas les mêmes qu'on peut voir sur un circuit plus amateur, mais il y a quand même des picks méta qui finissent par ressortir, des duo bots qui vont être un peu potentiellement des priorités à aller chercher ou à ban. Le fameux pick Rumble hein, qui est un peu le pick qui est mis S+ sur beaucoup de tier list, qui sera probablement très intéressant. Est-ce qu'on a commencé la draft? Non, pas Non. encore. On attend que les joueurs finissent de se mettre en place. Ah, mais finalement, ce Pick Rumble hein, qui revient à peu près partout, de toute façon, c'est un personnage qui marche dans tous les sens en réalité. Ouais, il y a un peu de tout dans ce champion. Il y a de la complémentarité en teamfight si on a du contrôle, puisque l'ulti fait vraiment beaucoup de dégâts. On peut, en situation compliquée, wave clear une wave très facilement. On a ce qu'il faut, il a tout pour lui, il a la tankiness, la move speed, les dégâts. Alors que les ready sont en train d'être envoyés. Donc on va donc commencer avec l'équipe Sasankwa. Ça sent quoi? Je vais vérifier la prononciation. Vous allez voir. Ça sent quoi? Qui va commencer? Blue Side au jet de dés probablement. Ça a été réglé. Évidemment, l'équipe qui perd, on est sur un BO3, donc l'équipe qui perd le premier match choisit le side sur le second. Et évidemment, si il y a un troisième match, il doit y avoir un troisième match. C'est l'équipe qui a perdu le deuxième qui choisit son side. Ok. Alors que du coup, ouais, il y a un ready qui est parti d'une des deux équipes. On va présenter un peu les joueurs, on les présentera un peu pendant les 3 minutes qu'on va avoir d'attente, évidemment, puisqu'il y a le délai du mode spectateur. Donc on ira un peu. On fera un peu la présentation des différents joueurs. Évidemment, les rangs solo queue, c'est pas les rangs solo queue de ce split qui vont vraiment nous intéresser. Ça va être ceux du split précédent, du split 2 de la saison Oui. du 23, puisque de toute façon, ça a été ces rangs qui ont été pris pour faire les divisions, alors que c'est le ready qui est envoyé du côté de l'équipe Azurix. Mais du coup, vous allez avoir. Là, par exemple, on a
Pronia qui n'est que Emerald 2 en soi en solo queue, mais et encore on a Friendly Boy qui n'est pas classé en solo queue, mais si les joueurs n'ont pas fait de solo queue depuis le début de la saison a commencé depuis moins de 10 jours, ce n'est pas forcément étonnant. Et le draft qui a commencé La avec un draft qui a ban commencé, Darius. exactement, le Darius, parce que justement, on allait y venir dans la présentation, Poufredon qui est un gros joueur de Darius, le ban Broom en réponse, en tout cas, ouais, c'était pas forcément étonnant qu'on ait ce ban directement. Non. La Janna, encore du côté Azurix, alors que c'est le Lucian qui a été banni du côté ça sent Lucian qui quoi? n'est pas non plus étonnant, on va éviter d'avoir des trop gros carries, d'avoir une Nami potentiellement derrière ou un Milio. Exactement, exactement. Ça peut être, c'est un peu la botlane qu'on peut prendre côté red side. La Leona, est-ce qu'elle va être bannie? Elle est bannie cette Leona. Elle est Intéressant bannie. de voir avec quoi on voulait potentiellement la mettre. Après, ça reste Leona un très bon pick Beaucoup pour trop de engage, surtout contrôle. si on a un pick avec assez peu de mobilité côté ADC, par exemple un Félios qui peut être assez statique ou une Ashe si elle n'a pas forcément de quoi répondre. Alors que c'est le Lux'in qui lui par contre on l'a beaucoup vu hein, Oui, ce le Lux'in. build-in, très surprenant hein, quand ça pop les deux items, même juste la titanesque, hein, la tankiness, les dégâts, le clear jungle qui est beaucoup trop rapide. Ce champion fait beaucoup trop peur avec ne serait-ce que deux items. On l'évite. Et ça va être un first pick Lee Sin. Oh, un petit skin. On l'annonce directement, ce Lee Sin. Qu'est-ce qu'on va aller chercher? Est-ce qu'on va chercher la botlane directement? Ou est-ce qu'on se dit que bah du coup le jungler a été pick en face? On peut se permettre directement d'aller chercher. On peut aller chercher. On peut aller chercher pas mal de choses. Il y a ce Rumble. Il y a la Caitlyn Mais qui a ça l'air clique la d'être. botlane. Ouais, on peut aller chercher Caitlyn Lux directement au moins. On va au moins sécuriser la Caitlyn. Qu'est-ce qu'on va aller prendre ensuite? Peut-être le combo classique Morgana. Ah, ça. Oui, le Nocturne exactement aussi qui peut Oui. être pris dans les bruisers. Nocturne qui répondrait très bien au gank de Lee Sin. Hein. S'il est en Ouais. retard, au moins il pourrait être tout de suite décal. Ouais, et puis en plus on peut avoir des. C'est bon combo avec de la Rell, avec de la Nico pour aller engage sur un carry qui aurait l'audace d'exister en teamfight. On aurait une bonne compo pour aller chercher des cibles, on va dire, un peu faciles. Mais attention derrière à avoir les dégâts pour tuer le reste de l'équipe. Exactement. Hein. Mais au Et moins, du ça coup, assure à la ce. Caitlyn de rester safe au loin et de pouvoir caler son ult sur un ulti nocturne. Exactement, et c'est le Jhin, non, le Varus qui va être pris. Varus qui est un peu revenu en ce début de saison avec les nouveaux items Onit. Varus qui est dans les mains du joueur, je crois bien. À voir avec quoi on va le mettre. Il y a cette Renata qui est ouverte, qui est beaucoup, beaucoup jouée. Alors, on a l'air de vouloir quand même vouloir pick la mid lane. Ça ne veut absolument pas montrer le support, c'est une Ça va être la bataille. Hein. Nico. Ça va être la Comme Nico, j'ai tu l'avais l'impression. dit. Ah, c'est Nico qui est prise. Bah, l'inverse, justement, du coup, peut-être pour réceptionner ce Nocturne. Pour encaisser une potentielle compo très agressive du côté Azurix. Même pour mettre éventuellement des meilleurs décals en botlane, étant donné que les lanes sont beaucoup plus agrandies, je pense que les joueurs sont encore en train de se méfier des différences de la map et peut-être moins des creeps. Et l'Orianna qui va être L'Orianna. prise. Ça fait que du coup on va avoir les deux top laners et les deux supports hein, qui n'ont pas été récupérés, à moins qu'on flex cette Nico en support. Ça me paraît très étonnant, mais c'est pas impossible. Oui. Ça se ferait, mais ouais, je ne pense pas personnellement. Ça semblerait assez compliqué à faire en blue side, on aurait toujours Oui. un pic derrière, la hache évidemment qui va être supprimée, Varus H, très très fort. Je m'attends à avoir un ban Renata du côté Azurix sur le dernier ban. Ce ne serait clairement pas étonnant, alors que ça va être le Milio qui semble être banni du côté ça sent quoi. Qu'est-ce qu'on pourrait ban? Ouais, comme tu l'as dit, sûrement la Renata. Une Rell éventuellement aussi. Rell, La c'est Rell toujours pourrait assez être. menaçant.
Ouais, elle pourrait être intéressante à récupérer côté Azurix, justement, je pense. Et je pense que ça pourrait assez bien comboter. Et je pense qu'on pourrait se méfier du Varus Renata qui pourrait être très très fort. Et non, c'est le Rakan. C'est le Ça Rakan bat le qui va être Rakan. bonne. On va empêcher trop d'agression. Du côté, ça sent quoi? Rakan qui peut au final agresser comme récupérer, comme encaisser les agressions. Et la Lux, hein, qui va évidemment être La bannie lutte. pour ce combo. Alors que n'hésitez pas, hein, la prédiction qui a été lancée. Si vous avez des favoris, n'hésitez pas à profiter de la prédiction dans le chat. La Karma, pour l'instant, qui a été récupérée. C'est un. C'est un bon pic, ça assure Ouais. la survivabilité, ça empêche le Lee Sin de s'avancer trop près éventuellement. On n'a pas envie non plus que la Nico arrive trop facilement au corps à corps avec son ulti. La seule solution qu'elle aurait, ce serait de faire un flash. Mais au moins, la Karma assure cette sécurité pour ses joueurs. Mais Ça ça reste prend une un Thresh. trèche. Ok. Trèche en réponse à Karma, pourquoi pas. Alors, Ustrèche, il y avait toujours cette Renata que je suis un peu étonné de pas Moi voir. aussi. Je pense que les joueurs des deux équipes ont. Surtout du côté ça sans quoi, ont peut-être un plan. Je m'attendais vraiment à l'avoir surtout du côté Blue Side avec ce Varus. Et moi donc, et on a une Akali. On a Kelly, on retiendra qu'on a eu, ouais, on a eu aucun ban côté top lane à part ce Darius. Oui. Tandis que les supports vraiment sur la deuxième phase de ban, et même sur la première, il y Ouais, a il eu voulait pas 7 en bans au voir, total. ouais. Hein. Du coup la Akali qui va être annoncée. Et on va voir le counter pick du côté Azurix. Et c'est le Horn. Oh. Pick défensif. Voilà, très bonne Voilà. Hein. réponse en soi. C'est ce qui leur manquait à leur équipe. Pour aller chercher un assez bon combo en teamfight avec du coup ce Nocturne, cette Orianna, ce Horn. On a moyen, si on est trop avancé ou mal positionné du côté du Varus, on peut très rapidement se faire punir. Alors Et que du le horn coup, on va permet un rentrer. disengage avec possiblement un mantra shield de karma derrière, l'ult de horn pour empêcher leur avancée si quelqu'un se ferait R par Varus ou catch par Thresh. Mais il leur manquait de la front. Orange est un bon pick à mon humble avis. Ouais, non, oui, c'est un pick, on va dire, assez safe, à la fois en lane comme sur le medium. Intéressant de voir ce que ça va donner. Je sais pas forcément ce que ça donne au niveau des timings qu'il va pouvoir y avoir sur les Void Grub. Qui vont être un peu, je pense, à l'avantage peut-être côté ça sent quoi en début de game. Je pense À aussi. Hein. moins qu'il y ait des early kills qui sont récupérés sur les deux solo lanes. Alors qu'on devrait se lancer d'ici quelques secondes dans la game. Bien que je voyais plus Orianna avoir le lead en lane face à Nico, Akali et Ornn, c'est un peu du 50-50. Ça dépendra des joueurs, de ce qu'ils veulent faire, de comment ils veulent avancer sur leur lane. Mais Akali peut très facilement punir, surtout si elle joue Fleet Footwork. Elle peut facilement avancer, reculer, poke le Horn assez sévèrement. Là où aussi le Horn pourrait lui mettre un très gros burst, Est-ce que prendre t'es comme l'avantage en ça? lane avec l'aide du Nocturne. À voir comment ils veulent jouer ça. Ouais, exactement, exactement. Ce timing qui sera probablement le premier moment où on aura potentiellement une réelle agression. Après, on peut décider d'aller totalement faire le Drake, hein, du côté du side qui sera, on va dire, le moins avantagé sur cette early game. Oui, on peut totalement ignorer les mythes et se diriger vers un Drake sur les trois premières et jouer les trois autres. C'est faisable. C'est un peu l'avantage, hein, de ce nouvel ajout, c'est qu'il y a un objectif neutre à jouer assez rapidement dans la C'est game, ça. ce qui rend au final. La map plus proactive qui force les joueurs à faire quelque chose en early plutôt que de rester statique sur les lanes. Qui les force à faire un choix Oui. entre leur top side ou leur bot side.
mourir les yeux fermés. Donc ne voulais-tu pas présenter les joueurs aussi? On va pouvoir du coup ouais, présenter les joueurs. Comme on le disait, hein, ça va. On va pas aller chercher les lots actuels puisqu'on est sur un début de saison. Certains joueurs n'ont même pas les cinq grandes quêtes de début de saison. Du côté de l'équipe bleue, ça sent quoi? Du coup, on a Brogna sur la top lane qui va du coup jouer cet Akali. On va avoir du côté de la jungle Moktor. C'est des joueurs qu'on a sur du là on est, j'ai pas les infos avec OPGG. On est sur du, comme je disais, hein, on est sur du haut diamant low master. Là par exemple Moktor qui était diamant 1 en saison dernière. On va avoir Sleaze avec Sadniko du coup sur la mid lane. Sleaze qui lui était master en saison 2023 avec notamment au niveau des picks, il avait beaucoup joué ADC, mais il avait également joué un peu de la mid lane. Donc voilà, on est sur un joueur qui me semble assez versatile, mais qui s'est reconcentré sur la mid lane, en tout cas pour ses premières semaines de saison, avec pas mal de ses midlaners assez contrôle, avec du Swain, du Echo, du Twisted Fate. Donc ça va être intéressant à suivre. Du côté de la botlane, Hellstorm Friendly Boy, on est sur du pareil, sur du Master Diamant. On a joué beaucoup de choses sur ce début de saison, si on va voir un peu les historiques de partie. Et du côté de la Azurix, on a du côté du Red Side, du coup, Azurix, on va aller voir. Pareil, on a du Master, du Diamant, sur la saison 2023, évidemment, hein, comme on le disait, c'est forcément intéressant de regarder dès maintenant. Et comme on l'a vu à la draft, on a eu ce ban de Sodarius parce qu'on a beaucoup de games pour Frodon. On a un énorme joueur de Darius, ouais, un gros bagarreur sur la top lane. Qui a déjà 70 ranked cette saison, dont 64 sur Darius. Donc voilà, on est sur un très très gros joueur de Darius. Combattant. Voilà, alors qu'on va rentrer dans la game. Et à noter, la Kled's récupérée du côté de Psalka, la Caitlyn des Azurix. Tandis que on a le heal du côté du Varus. Cette cleanse pour le route de Nico, pour la flèche de Varus. Voilà, pour le grab de Thresh, il y a beaucoup trop de contrôle qu'elle peut se prendre facilement. La cleanse est un sum assez normal, je dirais, dans cette situation. T'as pas non plus envie de gaspiller ton flash sur une erreur. Ouais, exactement. Et la Akali qui joue Conqueror, hein, du coup, je pense qu'elle va vouloir chercher la bagarre assez tôt. Et alors qu'on est rentré dans cette game. Alors la game qui n'est pas affichée pour le moment. J'étais dans la game également, toi de ton côté? Ouais, je suis dans la game. Je suis à 37 secondes. Je suis à 40. Ouais, j'ai peut-être une petite seconde d'avance. Alors voilà, on est bon. Parfait, c'est bon. On voit la game. J'ai le temps de peaufiner au niveau des sides. Ça sent quoi? Azurix, première game de cette division 3A. Première game du BO qui débute avec le Red Side qui là joue safe, hein, les Azurix qui veulent rester sur leur position, ça ne cherche pas trop à s'avancer. On avait pu voir la Nico qui s'est avancée avec le Lee Sin, peut-être pour Ward sur le Nocturne. Il n'y a pas de petites agressions sur cette early game. Non. On va start du côté topside, hein, pour les deux junglers avec un peu d'aide de la part de la Akali sur le blue buff de son Lee Sin. Intéressant à suivre, ça va être la botlane parce qu'on va voir ce Thresh. Est-ce que ce Thresh va réussir à aller chercher
des grabs sur cette Karma, cette Caitlyn pour récupérer des. Pourrait mettre son ADC en avantage sur ce début de partie. Ça pourrait être une bonne idée, mais l'agression top qui a déjà commencé. Hein. Le Horn qui en veut, il ne veut pas laisser la Akali respirer, ce qui est normal. On n'a pas envie que la Akali puisse s'avancer en lane pour qu'ensuite elle puisse facilement roamer avec le Lee Sin, la Orianna qui serait justement un peu trop facile d'accès en début de partie. On a pris le level 2 hein, avantage niveau bot lane. Il a beaucoup de dégâts. Hein. Il fait énormément de dégâts. Pour l'instant, au top, ça se travaille. Hein. Ça travaille au corps, les deux top laners qui ont 300, 400 HP. Oui, au top, c'est quoi, c'était prévu. Ça cherche la bagarre. Le Horn a normalement l'avantage, mais la Akali se laisse pas faire. Et puis même en mid lane, ça fight beaucoup, beaucoup. Hein. Tous ces joueurs en veulent. Ouais, pour justement aller chercher, gratter leur opposant en lane, pour justement peut-être aller récupérer ces Void Grubs dans quelques minutes. Mais le Horn, il doit se méfier quand même, parce que lui, il a du mana. Il a déjà beaucoup dépensé, ce serait dommage de dépenser une TP aussi early. Il veut push la lane. Le Lee Sin bot lane qui a été vu par cette ward. Il est déjà avancé. Du coup, on va prendre l'info sur le Nocturne. Nocturne qui, du coup, déjà level 4. C'est un team qui n'a fait que 4 camps. Nocturne qui a déjà tout clean. Attention, le trash qui s'avance peut-être un peu trop. Mais on a une bonne protection de Varus. Mais on est vraiment très très low HP là, toujours. Oui, top, c'est un monde. Et au final, on a récupéré Scarapater, malgré le retard d'XP du côté de Moktor. Est-ce qu'il va chercher après, c'est vrai, ça va faire le Scarapater top, ou faire un back et le laisser? Ah, on a back du côté de Klins. On a déjà plus de TP en top lane, la Akali qui push la wave. Peut-être va-t-elle chercher à faire pareil. Ah, malheureusement, je pense pas qu'elle pourra plus push, le Horn qui pourrait avoir un freeze là-dessus. Carpenter top, ça va être évalué, être fait par Klins. Ouh, le Horn qui a raté ce bump, oh, et c'est le first blood sur un flash-in magnifique. Et oui, la Akali qui a trop grid, hein. Le Horn qui a lâché son premier back, il a repris l'avantage sur ses HP. Et attention, Moktor qui va arriver directement au bot. On va reculer peut-être un flash in de la part de Friendly Boy. Non, le Q qui connectera pas pour Moktor. Et on va reculer. On sort bien du côté de la botlane Azurix. On back sur une warp pour Moktor, Krasis qui a potentiellement, voilà, totalement en même. Il se fait cancel, le Nocturne qui va pouvoir voler toute la jungle du Lee Sin. Et on sait que ce Lee Sin est bot side et on va peut-être même enchaîner derrière sur les premiers grubs. On a la pression sur cette mid lane. Alors certes, le Horn avait back après son kill sur la Akali. Et gros souhait va récupérer, mais donc du coup non, on va pas le tenter vu qu'on n'a pas la pression topside. Non. On avait bien fait vu que cette Bronya avait des cales, cette Akali avait des cales. Il voulait quand même la jouer safe en effet. Orianna la mid lane est plutôt passive, hein. On peut le voir, ils ont presque tout leur mana, tous leurs points de vie. Ouais, ils ont chacun fait leur premier back respectif, mais oui, sans claquer la TP. Forcément le besoin de claquer. Non. Alors que level 6 récupéré sur Orianna. Calopsia, ça va pas tarder pour et là également. Vous voyez pas avec le camouflage, donc du coup les deux ultis là qui vont pouvoir potentiellement débloquer des agressions. Est-ce qu'on laisse la jungle du policier pour faire le Drake? C'est ce qui est prévu. Ouais, bien ce qui me semble être fait, hein, du côté de Moktor, on fait ses grubs, et du côté de Klins, on fait ce Drake des nuages. Attention au Horn, je pense pas qu'il puisse le dive à deux. Mais de toute façon, ça devrait bien se passer pour lui. Il a son niveau 6. Il a déjà la cape, le manteau de spectre. Donc il veut surtout jouer sa lane. Il a
sur, hein, parce que là, Clans, on est sur, on est sur pas mal de. Le Counter Jungle, on vise un peu la. La tentative de grab sur le CS, magnifique. Le jungle de celui-ci, Nocturne, qui va se rendre compte qu'il a plus de. Il a plus rien, tout est vide. Alors qu'on a du coup bientôt le level 6 hein, du côté de ce Nocturne. Et attention, même s'il y a les flashs sur tous les joueurs de l'équipe, ça sent quoi, on n'est pas à l'abri d'un bon gank si on est trop avancé. Non, en effet, mais je pense que il se passera pas grand chose en bot lane. De toute façon, la mid lane. Si la mid lane commence à être push, peut-être ils vont trouver quelque chose bot. La Akali qui se fait dominer en top lane. Mais forcément, on a ce manteau de spectre du côté de Comprodon. Compliqué d'aller faire vraiment beaucoup de dégâts à ce horn et de reprendre un peu l'avantage. En plus l'inverse, attention pour Frodon qui va y aller directement l'ulti qui va partir. Sûrement le solo kill. Et attention, le bon R2 pour s'en sortir. Plus de flash voilà. Du côté. C'est Akali. Et on s'en sortira. Mais il va falloir jouer très Akali, on n'a pas envie de laisser le horn free farm, on n'a pas envie de faire une trop de play. Déjà que lui laisser un kill, c'est beaucoup. Et s'il devient trop gros sur cette top lane, il sera inarrêtable. Dans la jungle bot side, on va aller récupérer le red buff de Moktor. On est vraiment sur une. On s'est assez peu croisé entre les deux junglers, mais en tout cas, Fence qui vraiment est omniprésent dans la jungle de son vis-à-vis. Il se permet beaucoup de choses, surtout dû à son niveau d'avance, le move en bot lane, il a tout de suite compris qu'il fallait qu'il aille autre part sur la map. Et maintenant il a un. Ouais, attention, le grab, mais la clean automatique et on va toucher l'ulti du côté d'Hellstorm et du coup de dégâts sur Salvia. Mais c'est fini, rien de plus. Et on a claqué Summoner. Maintenant, et attention, parce qu'il y a Moktor qui rôde le Lee Sin. C'est Lee Sin qui veut jouer avec la bot lane. Ouais, il y a des opportunités avec ce Thresh, des opportunités qu'on a peut-être pas du côté de la top lane ou du côté de la mid lane. Attention, la lanterne qui va partir directement, le flash out de Psalka, le double flash out avec le flash de Kriziniz. Attention, peut-être l'Itsek directement, Moktor. On va aller chercher ce premier kill, peut-être Hellstorm qui va aller faire tomber, le drap qui va flécher. Psalka qui va peut-être également tomber, c'est un double kill pour Hellstorm. Très très bon gank, hein, le très beau flashing du Thresh, la lanterne était parfaite. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'ils arrivent à tuer la Caitlyn, mais elle est restée quand même. La punition. Compliqué. Lee Sin a parfaitement compris où est-ce qu'il devait jouer. Peut-être un peu de grid de la part de la bot lane, mais. Calopsia, Rosalise. C'est bon. On va reculer. On avait les deux ultis hein, sur la mid lane. On sent que les deux ne veulent pas claquer leur ulti pour un potentiel. 2v2 enfin, avec leur jungle. Oui. Être tranquillement dans le bush de la mid lane. Sur l'ulti, l'Organa qui va partir directement sur cette Nico qui va être obligé de reculer avec la 200 qui va aller chercher avec son ulti nocturne. Attention, on met beaucoup de dégâts sur ce signe qui va tomber. C'est un double kill déjà pour Clean. C'est ce qu'on va réussir à aller prendre ce triple kill. Avec. Si on laisse le kill à l'Organa, c'est une terrible action ça. On se reprend bien après le double kill est récupéré par le Varus. Et on se reprend bien. Très bien, le Nocturne qui va pouvoir faire des grubs tout seul. Le Varus qui ne peut pas empêcher la Caitlyn de prendre les plates. Trois grubs pour 3. Finalement, on a quand même un avantage. Parce qu'ils ont un Drake nuage plus 3 grubs. On a pris du coup pour l'instant ouais, ces trois grubs, il n'y aura pas du coup les petites mythes qui peuvent apparaître quand on a 5 ou 6 de ces raids de grub. Cet avantage hein, pour l'instant sur la top lane. On a atteint le premier item hein, du côté du horn. Ce qui fait que là, si c'était compliqué pour Akali de mettre beaucoup de dégâts sur ce
Sans précédemment, là, ça va devenir tout bonnement impossible. Exactement, le Rant a déjà la cape solaire magique. Il va avoir un push assez monstrueux avec cet item. Et pendant attention, on va aller chercher le deuxième Drake, le Drake X-Tech, du côté des Azurix. Et on est 4, attention, Moktor. Le Q du Lee Sin, on va pas le réactiver. 4 contre 3, on a l'avantage. Lane, l'ulti, cette storm qui n'a pas touché. On devrait un peu désengager hein, cette, ce pic du dragon. Éventuellement le laisser aller au façon de quoi, je pense. On va récupérer le Carapator du côté de Moktor. Et à voir ce qu'on peut aller chercher. Il n'y a pas d'ulti hein, du côté d'Elstorm. Alors qu'il y a tous les ultis du côté Azurix. Les deux top laners ont leur TP. Ah là, oui, il va voir quelque chose. Attention, Moktor qui est peut-être en situation un poil compliquée. Il faut peut-être ringer sur Salka. Nous, on va être obligé de reculer. Klins qui est là avec Calopsia. L'ulti qui va partir de la Caitlyn, mais qui va toucher Friendly Boy. On va pouvoir reculer. Ça se regarde dans le blanc des yeux. Hein. Exactement, c'est très dangereux. La Calopsia qui a son ultime, Nocturne aussi. Les deux pourraient être dévastateurs sur un fight trop fermé. On n'a pas envie du tout de vouloir sacrifier potentiellement deux joueurs pour un dragon. En sens, c'est qui est en train de le faire ce dragon. Attention, Moktor. On va tenter un steal peut-être. Qui va partir, l'ulti de Klins qui part directement, on va foncer sur Valsorb. On va mettre beaucoup de dégâts sur ce dernier, mais c'est le Thresh qui va tomber. Friendly Boy sous les coups de Crisis, on kill récupéré, Moktor qui est dans le pit. La Shockwave pour empêcher de dash out. Ou dash il arrive sur quand même à s'échapper. Et il va s'échapper avec le Z. Et on veut tenter d'y aller, attention, il y a la Nico. Il peut y avoir un ulti flashé directement, on va foutre deux personnes, beaucoup de dégâts sur l'équipe Azurix. Très loin HP du côté Azurix, premier kill récupéré, deuxième kill récupéré par Moktor. Klins qui va venger son petit piestin, 2 contre 2 pour l'instant, on a eu la TP du Horn. Sliss qui va tomber sous les coups de ce Horn, oui, c'est un 3 pour 2 en faveur des Azurix. Et on va aller chercher ce Drake, c'est très 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 close. On était très très loin HP du côté Azurix, c'est très très serré. La TP de ce Horn qui a sauvé le fight du côté Azurix. Sinon, je pense que c'était clairement à l'avantage des 500 quoi. Oui, c'était à l'avantage des 500 quoi. Cependant, il avait pu. Il a décidé de TP parce qu'Akali a préféré back et TP sur sa lane, là où le Horn, lui, a décidé de back pour TP directement en bot lane. Mais ça lui permet de débloquer la première tour top, de reprendre un peu l'avantage des gold. Là, en effet, on va avoir ce petit avantage. À noter que là, c'est le Horn qui a pris pas mal de kills, qui a 3 kills maintenant, oui. Qui a pris. Il a pris du coup 2 kills sur ce trade. Exactement, on a un Horn qui va tout de suite récupérer son Jack Shaw. Hein. Qui va être très très tanky, mais au final on n'a pas, on va pas avoir un énorme retard pour l'instant sur la mid lane et sur les AD carry. La Caitlyn a quand même le lead en CS, donc elle reste even en gold. Elle reste assez proche, mais attention par contre c'est Nocturne. 3-0-3. Ça va sûrement essayer de jouer l'Hérald contre l'Azurix. Le Horn qui a l'avantage du push. Bon, il y en a qui est déjà décalé, ils ont déjà pris la prise d'information en posant leur ward. Ils vont avoir l'avantage du Carapateur, le Lee Sin qui va décider de clear sa jungle bot side. Donc je pense qu'ils vont vouloir faire un Hérald. Sur cette position 2-3 contre 3, non, parce que le Lee Sin est top bot. Lane, attention, Hellbound. L'ulti qui va pas toucher, elle sent plutôt. Va toucher Crisis qui va se faire grimper par Friendly Boy et on va récupérer ce kill qui va être donné à Hellstorm. Magnifique grab de la part de Friendly Boy. Il n'avait pas touché le petit du Varus, mais on réussira quand même avec les grabs. Et on a fait surtout claquer les deux flashs sur les botlaners de l'équipe Azurix. On joue botside pendant que sur le reste de la carte on prend les râles, mais attention parce que la Akali. Il n'a pas l'air d'accord avec la prise fédérale. Non, mais la Kali est vue, donc ils savent ce qu'ils veulent. Ils savent que la Kali ne peut absolument pas avancer face à ce Nocturne et surtout ce Horn. Et ça a voulu essayer de tomber la tourelle en bot lane, mais ils n'ont pas réussi. Hein. Le dépêche de Caitlyn est quand même assez strong. Ouais, pas mal de dégâts. Et on a fait tomber.
Une touraine de chaque côté en top lane, et je pense que le grave, attention, Friendly Boy qui va toucher sur Psalka. Est-ce qu'il va réussir à le finir du côté de Friendly Boy? Non, attention, arrivée du Nocturne. Et on va prendre ce kill du côté de Klintz qui en est à 4-0-3. On va aller chercher Friendly Boy avec beaucoup de dégâts. Friendly Boy qui va flash out. Et on va ramener Klintz sous tour. Attention, Moktor qui va se mettre entre l'ulti et Klin et son Thresh pour le sauver. Très low HP une fois de plus du côté de Azurix, mais on a bien géré cette agression. On récupère quand même sur le Varus, la tankiness du Nocturne avec les dégâts de l'Exploit. Ouais, on a réussi à aller chercher ce kill malgré le grab de Friendly Boy qui est parti. On a toujours un Herald sur le Nocturne, hein, donc potentiellement essayer de débloquer la mid lane. Push la bot lane à la main avec la Caitlyn et la Karma. Bien que le Horn devrait lâcher la top lane là maintenant. Vouloir prendre la T2, c'est une bonne chose, mais il faut débloquer les situations en mid lane et en bot lane pour continuer de prendre des golds sur les tours, de ne pas leur laisser un avantage comme ils le font actuellement. Laisser Varus prendre des CS comme ça alors qu'il a un lead sur la Caitlyn. On va voir, hein. 1 minute 30 avant le dragon infernal. Et Horn qui a son Jack Shaw, ses bottes, plus une cape du néant, hein, donc livre la puissance magique là. Calopsia qui n'a pas été dupe, qui a compté les creeps et qui a vu que la Nico était présente. Attention, Friendly Boy, le grab qui ne touche pas la tour qui est très très low HP. Ulti qui part de la part d'Elstorm. Et on va Klintz directement. On a Klintz pour Psalka, mais on a surtout Klintz dans le bush. Ce Nocturne qui attend, qui a son ulti de près. On va aller prendre cette tour avant d'aller chercher le dragon dans 50 secondes. Horn commence déjà à décaler. Oh, attention, oh, attention, on va Varus qui est trop avancé. Et on va être obligé de flash out directement pour Elstorm. Qui se prépare, mais on est très très low HP du côté de la bot lane. Et attention, pour l'instant, il y a les deux solo laners, hein, sur la mid lane. On va vraiment jouer ce dragon. Côté de ces types, la tour qui tombe. La deuxième. Lane. Ils ont un avantage, hein, chez Azurix. Ils ont les rails, ils ont les tours. Bon, Doctor, l'ulti qui va pas forcément envoyer la Organa dans la direction qu'on voulait. Des dégâts, hein, ce Horn qui fait beaucoup. Le Shockwave sur Lee Sin, le Ghost du Nocturne. Encore beaucoup de dégâts, Klensky va peut-être réussir à faire tomber cet Akali. Oui, un seul mort du côté des 500 quoi pour le moment. Et la et pause qui a été claquée. Et on a apparemment un lag sur Elstorm. Sur l'ADC de l'équipe 60 quoi. Et qu'il y a même Deco qui vient d'être reconnecté. Du coup, ce premier kill qui est récupéré, qui va porter l'avantage à 4k gold en faveur d'Azurix. Et ce troisième dragon va arriver en soul point. Et je pense que du côté de Sanko, on n'a pas envie d'avoir une Caitlyn, un Nocturne avec cette âme infernale. Non, absolument pas, tu veux pas du tout ça. Hein. Et le Horn qui a déjà amélioré son item. Ouais. Avant qu'ils arrivent à faire tomber le Horn en teamfight, va falloir énormément de dégâts sur le Varus. Le problème, c'est que là, on a un Lee Sin qui est derrière. Le Nocturne qui va pouvoir rester sur la front lane en face avec ce Horn pendant que la Caitlyn sera en free DPS. Ils ont très très peu de chances de pouvoir la tomber. Surtout que Horn fait des dégâts monstrueux. Hein. On l'a vu dans le fight sur la river, là dans le bush. Il a pu tenir Akali et Nico tout seul. La tenue également. On a vu un Lee Sin qui s'en sort avec très très peu de points de vie. Il aurait pu tomber également. C'est un engage un peu. Je pense qu'on voulait. Je vais pas dire raté, mais je pense qu'on voulait envoyer cette Organa dans une autre direction que celle où elle est partie. Je pensais peut-être avoir une ouverture qu'on n'a pas ouvert au final. Bon, donc là, on a sûrement le Red Sai qui va chercher à push avec l'Herald au mid pour laisser le Drake. Pour pouvoir faire le Drake. Alors on va reprendre, le Reddy vient de partir du côté de l'ADC.
On ne voit rien parce qu'on est, on est en pause. Excusez-nous. On est reparti dans cette game. Et comme tu disais, ouais, on va poser Sperald et on va aller faire le Drake. T1 au moins qui va tomber. Sperald qui n'aura même pas, pas d'H. Qui ne perd pas de points de vie. Et la Kedine qui 360 et on va aller finalement taper la tour. Comme un joueur de Forza. Bon, attention, Noctor, on met beaucoup de dégâts, on va forcer Calopsia au flash out. Qui touchait, s'il n'y avait pas ce flash out, je pense que ça pouvait être un kill. Pour le Lee Sin, alors que le Drake va être fini par Quint. Qu'est-ce qu'on a après ce dragon là? On a le Nashor qui est up. Il y a 3 Drakes d'avance. Je pense. Ils vont vouloir laisser le Horn en side, il a sa TP de up, laisser en bot lane, de toute façon personne peut le tenir. On va envoyer au bot, bah, là que ce soit Nico ou Akali malheureusement, les deux vont pas vraiment pouvoir lui faire beaucoup de dégâts. Non en effet, il a déjà 300 de résistance magie, avec le Jaxo qui se stack, il va monter à 360. Il lâche quand même un back pour aller vers la top lane. Est-ce qu'on a envie de forcer ce baron? Je pense qu'ils veulent forcer le baron. Mettre de la pression au mid, laisser Orianna push top. Du moins jusqu'à la river. Ou essayer de faire un trap et de forcer un fight dans le couloir. On peut utiliser hein, ce horn, parce que ce horn sera peut-être différent plus la game avancera, mais en tout cas là ce horn. Au vu des stats, je pense que ça va être mission impossible pour la battre sur un teamfight. Qui a déjà amélioré l'item du Nocturne, hein. Il s'appelle Turbo d'ailleurs. Le grab qui touche. Rodon. Ouais, mais voilà. Le Horn qui ne faiblit pas, hein. Il ne pliera pas le genou face à un simple grab de toute façon, ils ne peuvent absolument pas y aller, ils représentent trop grande menace. On essaie de rééquilibrer au gold pour l'instant du côté de Sleeze, on va aller prendre cette T1 bot. C'est 4k gold de retard et qui se retrouve surtout sur cette top lane. Sur la jungle. Et donc ils veulent vraiment forcer un fight, il va peut-être un peu loin. Ouais, on n'a pas trop pu venir malheureusement, trop loin. Mais non, là, il va falloir faire quelque chose. Peut-être qu'ils ont peur de vouloir forcer le fight pour une raison obscure. Ou peut-être veulent-ils juste assez push la top lane, la mettre sous la T2 pour ensuite s'assurer d'avoir quelqu'un qui est obligé de tenir la défense en top lane pour faire la short. Mais en tout cas, il l'abandonne, le Nocturne qui va juste faire son clear de jungle. Et on va attendre, je pense qu'on va attendre les 26 pour le prochain Drake. Bah on aura récupéré le crush organet ici. On va prendre ce teamfight. Rodon qui continue d'abuser Akali. Hein. Ouais, de mettre à mal Rodina qui souffre grandement sur le matchup. Trop de résistance magique. Il n'a que ça hein. Ce Horn. Le Horn qui permet même de voler la jungle du Lee Sin. Faire attention quand même, parce qu'il a un peu avancé, tous ses alliés sont reculés. Après, même à 3, je pense qu'il ne le tomberait pas. Alors, on essaie de récupérer la vision du côté de Moktor et de Lee Boy. On va voir hein, du coup du côté de Bronya que Rodon était en train de faire ce groupe. On a lâché un recall pour la botlane, hein, le Varus et la Caitlyn qui sont even en item, même avec un lead de 4 kills. Le Varus fatalité est peut-être la seule façon de réussir à tomber les carrés derrière, même avec un build aussi avec autant de dégâts, le Horn lui en prendra aucun, donc je pense qu'on cherche vraiment à vouloir tomber les carrés et puis de laisser éventuellement Frodon pour la suite. C'est si tu ne peux pas accéder au carry parce que tu as Frodon devant toi, la question c'est comment tu fais.
Je pense qu'ils vont tout essayer de donner sur éventuellement un grab de Thresh ou une Insec de Noctor. Limité, malheureusement. Et ils sont très limités en options, oui. Surtout qu'on peut avoir une Shockwave hein, de Calopsia. De toute façon, le backup est beaucoup trop fort à cause justement de ce horn. Et on se positionne hein, pour l'instant du côté Azurix pour ce quatrième dragon Friendly Boy hein, qui va repérer trois adversaires dans sa jungle. Ça va simplement jouer le Drake, de toute façon ils peuvent pas le compter. C'est gratuit pour les Azurix. Pas vraiment contest, mais j'ai l'impression qu'on veut quand même tenter du côté. Oui, ça sent quoi? Oh, attention, Marc, on marche dans 20 traps. Oui, je suis dans 20 traps. Mal de dégâts. 300 gratuit. Terrible erreur. Le rapid score pour Friendly Boy. Le Drake qui va finir par tomber. On n'aura pas pu avancer. Ça va probablement courir sur un H. Le Drake qui va partir. Friendly Boy qui va grappler en version sur compliqué. Attention, Brunia qui a essayé de jumping pour aller chercher les carries. Le bon outil de la part de Slip. Double kill récupéré par cette Akali. Est-ce qu'on va réussir à faire tomber cette Akali du côté de Prodon? Non, on ne tombera pas. Elle semble qu'il va flasher Calopsia qui reste en vie pour le moment. C'est Slip qui a récupéré la vie du Nocturne. 3 pour 0. Excellent fight. Et 500 points. Très bon outil surtout de la part de Slip qui a pu aller immobiliser 2 carries à Zurix. On va prendre. Ah, 5, malheureusement ça ne fait plus. La tortinesse ne passera pas et c'est un excellent fight. Et non, ouais. La Smith qui a carry steam fight, un incroyable flash sur 3 personnes, qui a quand même des dégâts conséquents, hein, puisqu'il a mis un bon 200 HP, de 500 HP sur l'ult. Il a laissé le champ libre pour la Akali qui a tout de suite pris l'opportunité de dash in. Malheureusement, le Horn qui lui était replié plus au-dessus, il ne pouvait rien faire pour défendre. Il avait plus de R non plus, parce qu'il avait l'utilisé avant. Et là, on prend quand même un lead. Enfin, on reprend légèrement le lead sur les golds. On est plus qu'à 400 golds de différence, tu sens. On a un peu fait son retard. Mais attention, hein, parce qu'il y a cette âme infernale. Il y a toujours la main infernale. Et puis, bien qu'il soit mort une fois, le Nocturne reste toujours aussi menaçant, le Horn aussi. Nico maintenant elle a plus de flash, donc elle pourra plus lâcher ce combo de flash ult en plein milieu de tout le monde. Et je pense que maintenant ils vont se méfier de cette Nico, ne plus la laisser s'approcher aussi facilement. C'est un peu un rappel qu'a subi Azurix, rappel que cette draft peut punir pour mal positionner. Le Varus qui a sa Mura Mana de stack. On a d'énormes dégâts sur le Varus. Hein. C'est vrai que le combo de Varus et de Nico peut être très très punitif sur une belle chaîne de corruption du Varus. Potentiellement un chain CC. Mais voilà, on laisse le Horn en bot lane avec la Akali, ils ont tous les deux leur côté de up. Friendly Boy peut-être un poil, 3 on sait, non, le Q de Psalka qui touchera pas. La pink. Sleeze la pink. Sleeze qui est une pink. Exactement. On a vu Calopsia passer. Sleeze en pink, très très bien camouflé dans ce buisson. Mais il va abandonner sa position. On a le Horn sur le côté qui voulait tenter quelque chose. Je regarde dans le blanc des œufs, les yeux, ils ne servent pas trop à tenter. On peut attendre l'arrivée de ce Elder Drake. Retenter du coup du côté Azurix. Peut-être attendre une tête sur Caitlyn pour qu'elle ait un meilleur spike de dégâts. À 600-700 gold de cette IE, c'est très importante ouais, pour cette Caitlyn. Surtout quand à côté, le Varus lui a déjà 3 items.
des items qui coûtent un peu moins cher, hein, les items métallités, mais... Moins cher, mais qui font des dégâts... Urbains. Le Storm Resort amélioré pour Psalka. Je crois qu'ils veulent quand même jouer sur la Kaitlyn. J'ai peu de... d'agression. Non, en effet, nos deux équipes ne cherchent pas le fight hein, quand elles sont côte à côte. Ça cherche plutôt à tuer un joueur qui ferait une erreur assez rapidement, comme ils l'ont fait avec la Nico. Non, Brona sur le côté. On va reculer du coup, Psalka, on va revenir avec son équipe. Et on force le Nashor. Sur un timing back de la Nico, c'est peut-être catastrophique. Ah là, c'est pas Nico au cas où, ils vont pas te payer directement. Ça c'est loin, on n'a pas de flanc possible pour l'instant du côté de cette Nico. On va reculer du côté de l'Azurix, le Baron, qui va reset. Si on va-t-il le garder justement avec quelques HP en moins, mais non, on va totalement l'abandonner. On tente pas le fight, il juge ça trop risqué. On est à une minute de cette Elder Drake. Attention parce que ça laisse la mid lane open. Donc la Doctor directement qui va une sex, Psalka qui va réussir à flash out TS, qui va le grammer. Est-ce qu'on va tomber sous les coups de Sleaze? Non, on s'en sortira. Les puces, les deux summoners de claquer. On s'est fait peur, on s'est fait peur. Rodon caché dans le bac quand même, qui voulait tenter quelque chose. Il était dans son petit buisson. Maintenant il se passera rien, on a toujours quand même sur tout le monde. Hein. Le Lee Sin qui n'a plus son nul, faut le dire, donc peut-être à l'arrivée de Caitlyn, retenter un fight. Et Caitlyn qui va avoir son IE justement. Qui a son IE, la TP de l'Orianna en bot lane, ça va jouer pour l'Elder. Éventuellement push la mid lane pour pouvoir prendre la tour, il est forcé à reculer. Mais attention, l'Orianna qui est vue, hein, je pense. Il doit se douter de quelque chose. Il va tout le monde se faire une déjà très bonne shockwave. Contemporiser, on va mettre beaucoup de dégâts sur Elsorm qui va tomber sous les coups de Kitz. Friendly Boy qui sera le second. Tomber probablement sous les coups du Harpon Stambronia qui fait tomber Psalka. C'est 1 pour 2 pour le moment. L'ulti de niveau, c'est ce qui va réussir à flasher. Krizitz qui va tomber 2 pour 2 pour le moment. 2 pour 3 grâce au kill de Frodon. Moktor et peut-être le dernier au milieu de l'adversaire. Il n'y a pas de finir. Apparemment. Il va tomber Bronia. Pas la bouffée peut-être aller sauver ce dragon, on va péter ça et on n'a pas d'ulti pour le moment. Elle a un flash mais le horn qui se positionne pour l'empêcher de passer un très très mort positionnement. Allez, on n'a pas l'ison sur les HP, on va vouloir reculer. Ouais, ce Drake va être claim. On a eu une incroyable shockwave de la part du Calotien sur la bot lane. Cependant derrière ils avaient oublié que Bronia était en train de découper la Caitlyn. On a eu deux fights, on a eu deux fights en main. Et la Calypso qui go in sur le timing, il récupère l'Elder, oui, bah oui. C'est triste. C'est tragique pour eux. C'est très tragique. Pour Bronia. Et ouais, on a eu deux team fights en un. Clens qui allait secourir Calopsia pour faire tomber la botlane sans quoi, mais forcément ça fait que bah du coup la botlane ça sans quoi, elle, la botlane assurée, elle était sans réelle protection. On va vouloir maintenant aller chez Sparrow. Et on va pouvoir faire ce Nashor. Le Horn qui a acheté une rédemption, est-ce qu'il veut quand même essayer de protéger ses carries? On peut voir qu'à chaque fight, souvent le problème c'est qu'il prenne beaucoup trop de dégâts. La Karma peut pas se protéger avec tout seul la Caitlyn. Non, on fait un... C'est le style. Hein. Le Horn veille. Et on perd le kick sur la Caitlyn. On peut même tomber du côté de Doctor. Non. De la part de Clen, c'est l'outil de la part du homme qui frappe un Clen qui a beaucoup de dégâts, qui a peu forcément terminé Moktor. Non, celui-ci a l'air de pousser Friendly Boy qui va tomber pour avoir essayé de protéger son équipier. Il faut fuir du côté des sans quoi. Il va falloir défendre ce baron combiné avec Elder Drake. Malheureusement, là ils sont inarrêtables, ça va push mid, je pense. Peut-être pas une fin de game, non. Il joue un reset, la Caitlyn qui a acheté une ceinture de mercure. Potentiellement à cause du stun de Nico et du R de Varus. Cette QSS en plus de la cleanse, ouais. Et la Nico qui s'est transformée pendant un instant en plante explosive.
Non, potentiellement aller chercher la Oriana si ça avançait, mais non. On a reculé du côté de Calopsia. On veut potentiellement forcer sur la mid lane. On veut le groupe mid et prendre un inhib et essayer de terminer. Allez, la T2 qui va tomber. Mid lane, on est à 6 gold d'avance désormais pour les Azurix. Eux qui avaient un peu perdu leur avantage sur un teamfight suite à ce quatrième drain. Ont un peu pris leur revanche sur cette game. On a Frodon qui est full stuff, hein, qui a acheté un jeu du chevalier, donc ça veut vraiment protéger la Kedini. Directement, donc Frodon, on va partir, il n'a pas réussi à le réactiver. Cet outil Horde, on prend beaucoup de dégâts du côté de son poids, c'est Kedini qui va y aller. Avec son outil, attention, il a du coup directement. On va réussir à mettre beaucoup de dégâts sur cette carte, peut-être un peu en situation compliquée. Moktor qui va réussir à faire tomber Salka, c'est du 1 pour 1 pour le moment. Mais Moktor est esselé. Il va probablement tomber le flushing de la part de Frodon qui met d'énormes dégâts sur Redstorm. Frodon qui est un mur, hein, il ne prend aucun dégât. Sur le drame qui part sous Calopsia, qui va tomber sous les coups de Fred Boy et de Gronia. Mais pensant Frodon. Les dernières tours au mid. Frodon qui fait tomber Hellstorm qui ne peut rien faire. Frodon le titan colossal sur son horn, hein, vraiment inarrêtable. Et 2 T4, et se fait prendre malheureusement, je pense qu'on n'a pas les dégâts pour aller faire tomber cette Karma et ce Nocturne, et ça va être le 1-0 GG pour Azurix. Bon, ouvrir le score dans cette 2 partie dans ce BO3, et on retiendra ouais, les deux grosses perfs hein, de pour Frodon 9-1-4 et de Clint 8-1-6, sans pour autant d'évaluer la performance des autres joueurs Azurix, ceux qui vraiment au niveau des statistiques crèvent l'écran, crèvent le plafond. Parfait. Et on va du coup partir pour 5 minutes de pause. On revient du coup pour la deuxième game. C'est ça son quoi qui aura le choix du side du coup après leur défaite. On revient du coup dans 5 petites minutes. À tout de suite.
On est de retour pour cette deuxième game du BAO entre Azurix et Sasanqua, division 3A de notre saison 12 de la Watt Adventure. Toujours en compagnie de Panda. Après Toujours une là. première game où ça a été serré, on a eu quoi? On a quasiment eu 40 minutes 40 de minutes de partie. game presque, oui. Une domination de la top lane avec ce Horn qui a pu prendre son solo kill au début, qui l'a énormément avantagé pour le reste de la partie. On a quand même une très bonne défense de la part de la Nico, hein, qui a presque permis à son équipe de gagner tous les teamfights avec ses flash-in. Cependant, ça n'aura pas été suffisant. Quand on arrive en late, le Horn était beaucoup trop tanky. On avait beaucoup trop de protection sur la Caitlyn avec le vœu du chevalier plus la rédemption que le Horn avait fait pour elle. Aussi derrière, on a le Nocturne en backup qui permet d'aller chercher la backline adverse. Beaucoup trop d'avantages là où il fallait pas. Mais on a quand même une superbe défense des Sassans quoi. Ah, on a vu une très belle partie très serrée et on va voir si ces derniers vont pouvoir répondre sur cette deuxième game. Les joueurs sont en train de se mettre en place. Du coup, c'est les Sassans quoi qui vont avoir le choix du side sur cette deuxième partie. Et à voir ce que ça va donner. On verra comment les joueurs vont positionner. Moi, j'attends de voir. Est-ce qu'on va voir ce Nocturne qui va être à nouveau laissé open, qui Open. a été une excellente réponse au final face à ce Lee Sin, qui avait été pris en first pick. Et on a du coup. Alors, on a eu un blue, mais ça a swap de ce côté-là. On va voir ce que les deux équipes décident. Non, j'ai l'impression qu'on part du côté blue. Hop. Je vais quitter la room. Il faudra juste me réinviter, que je puisse être en spec. Ça marche. Je pense que je bloquais un slot. Hop. Hop, merci. Ça rend la partie est plein. Ah. En effet, il y a quelqu'un en trop apparemment. Alors du coup, sauf erreur de ma part, on partait sur à nouveau les 500 quoi en blue side. Oui. On partait sur les 500 quoi en blue side qui gardent du coup leur blue side pour cette deuxième game. Est-ce qu'on en aura une troisième? Ça sera la grande question. On essaye de rejoindre. Tac. Mais bon, je doute quand même qu'il y ait un ban Nocturne ou Horn, parce qu'en soi, le problème n'était pas, surtout pour la top lane, c'était pas le pick Horn, c'était le pick Akali contre Horn, qui était extrêmement risqué. Qui a pas réussi à prendre, on a pris un avantage qu'on n'a pas réussi à combler, surtout du côté de la Kali. On n'avait rien pour faire tomber ce Horn derrière en teamfight. Mais le solo kill, il l'a pas aidé au début. Quelque chose qu'on voudrait éviter en temps normal. Tac. Alors que les joueurs du coup sont dans la room. Et je pense qu'on va partir sur la draft de la deuxième game dans quelques minutes. Et Oui. ce qu'on va aussi pouvoir remarquer, parce qu'on a vu ce pick trash sur la botlane qui permettait d'aller chercher
de faire pas mal de pick-up qui a ouvert pas mal d'opportunités pour l'équipe ça sent quoi. Est-ce qu'on va aller rechercher ce trash? Est-ce qu'il y a cette Renata dont je parlais beaucoup dans la draft de la game 1 qui va ressortir? Ou est-ce qu'on va avoir une autre botlane? Alors qu'il y a... Non, c'est bon, on va pouvoir lancer la draft. Des deux côtés, et c'est lancé. D'ailleurs, cette draft, j'ai l'impression, c'est ready. Du côté d'une des deux équipes. Et également, ce Rumble qui avait été laissé open, qui n'a pas été ban, sauf erreur de ma part. Non, et non, il a été open, mais personne ne l'a pick. C'est vrai qu'un Rumble aurait été une réponse correcte à Ornn. Ça aurait pu permettre plus de choses en teamfight, là où la Akali ne peut se contenter que du mono-cible, entre guillemets. Le Rumble aurait permis de mettre de la distance dans les fights entre ce Ornn et les autres joueurs de l'équipe. Peut-être permettre aussi une meilleure phase de lane, là où Akali s'est juste fait marcher dessus par le Ornn. Ah, c'était très compliqué pour elle en effet. On avait cette Nico de Sliz qui a été très efficace, un Sliz qu'on disait qui joue beaucoup de mages à contrôle comme ça, qui a eu beaucoup d'impact, qui a eu beaucoup d'impact. Nico qui était très dangereuse, on ne veut peut-être pas l'avoir open ou du moins la laisser, en sachant que c'était plus des erreurs de placement qu'un problème avec le champion. Sachant que ne vous inquiétez pas, hein, c'est pas qu'il y a... Le problème, c'est qu'on attend que la draft se lance. Hein, du côté des joueurs, ça devrait arriver. Les ready commencent à partir. Et ça a même été lancé du côté des deux équipes. Donc, par quoi vont commencer? Et ça sent quoi? On se rappelle, ouais, voilà, encore ce ban Darius. Pour Frodon, un excellent joueur de Darius. Et on a encore ce ban Broom en réponse. Darius est peut-être un bon pick, c'est un main, mais je pense que c'est pas non plus la cible à abattre. Hein. On peut rester sur un Darius open et chercher à le contrer assez facilement. Mais il préfère se méfier, pas laisser open un main. Et on cherche toujours à ban ce Lucian, on verra pas de Lucian Nami. Le Varus, par contre, donc ça veut dire qu'on aura un autre ADC du côté ça sent quoi? Division 3A, on est sur l'élo master au diamant. C'est le niveau moyen des joueurs qui sont présents. La Caitlyn qui va être ban, donc du coup les deux ADC qui ne vont pas avoir la même solution. Et le Xing Zhao qui va être à nouveau ban. Ce Xin qu'on ne veut pas voir. Alors, est-ce qu'on était allé chercher du côté sans quoi? On était allé chercher ce Lee Sin. On va faire Qu'est-ce ce pic, qu'on ça veut? Et on prend un va prendre le nocturne. nocturne. Ça vole le nocturne. Ouais. Est-ce que ça va être verrouillé? On retourne comme ça en first pick. Et ça, first pick le nocturne. En réponse, on a une Lilia. Ok, bah Lilia qui est directement verrouillée. Lilia. C'est la Tristana qui est annoncée directement. Alors qu'on peut techniquement flex sur la mid lane. Mais si c'est même la plupart du temps où on la voit, on va dire, Mais en Lilia qui reste un circuit très bon pick jungle, Alad. hein, énormément de roam, des dégâts assez impressionnants sur cette nouvelle saison avec Lilia. Non, c'est bien Azuris qui a gagné la première. Il y avait potentiellement une petite erreur Oui, c'était Azurix, oui. Sur les compos, mais non, c'était bien Azurix qui avait remporté la première game. La Janna qui va être prise. Alors, Qu'est-ce qu'on pourrait accompagner d'une Janna? En parce que réponse à là, Tristana, éventuellement Ezreal peut-être. Et c'est une Vayne. une Vayne directement. C'est vrai Et que du Vayne coup. peut faire l'affaire aussi. On veut pas trop. On veut la jouer safe. On veut pas que Lidia s'approche trop facilement. Tristana non plus. Bien qu'avec Janna, ils ont déjà un bon combo de CC. Janna permet d'empêcher les joueurs de s'approcher avec la tornade. Plus le R en cas de besoin.
Et la question c'est que du coup, est-ce que cette Tristana on l'envoie bot? C'est la Leona qui avait été ban game 1. Sans quoi qu'il cette fois sera disponible. Et est-ce qu'on veut qu'est-ce qu'on veut envoyer mid lane du côté Azurix? Midlane, peut-être le ban de Nico. Ouais, bah la Nico. La Nico, Exactement, bien vu. évidemment. Là, on va plutôt peut-être chercher à ban un Ornn, je pense. Si ça les a trop effrayés, ou justement le laisser open parce que c'est un match-up faisable, mais ne pas piquer Akali en réponse. Ouais, avec une Vayne, on peut découper ce Ornn en teamfight. Oui. L'Organa qui semble être ban. Ce qui laisse à penser que du coup on va envoyer cette Tristana bot lane hein, du côté des Azurix. En tout cas, c'est ce que pensent les Sasanquois. On Oui. n'est pas à l'abri d'une surprise en last pick. Une grosse surprise dans ce cas-là. Allez, le dernier ban du côté des Azurix. Il n'y a pas de top laner de pick encore des deux côtés. Non, Et et là, ban Akali. à Kali quand même. Ah, non, ce final, c'est le Ah, Garen. un Garen. Ah, est-ce qu'on ne se garderait pas la Akali pour soi? Potentiellement directement sur le pick suivant. Ça peut être possible, mais très risqué, hein, parce qu'on a quand même, certes, Akali est un bon pick, mais contre des gros tanks avec énormément de contrôle, ça reste. Mais Ah non. les Sasanquois vont quand même la ban. Ouais, On veut pas avoir de Akali. je pense qu'on partait potentiellement sur ce pick Akali hein, du côté Azurix. C'est pas impossible. Et du coup, ouais, on va ban ce Garen. Garen, ça donne des possibilités en top lane. Je sais pas, peut-être éventuellement jouer le Rumble. Ouais, toujours ce Rumble hein, qui est laissé ouvert. La Lissandra. Et donc, du coup, on va bien avoir une Tristana bot. Ce pick ne sera pas envoyé sur la mid lane. Alors, qu'est-ce qu'on va aller chercher du côté des Sasanquois? Il reste les deux solo laners à prendre. On avait vu tout à l'heure qu'il y avait un pick way éventuellement. Ouais, il avait été over. Il y a du Swain qui peut être récupéré. Il y a un Azir également. Mais on joue un Azir. Parce que celui-ci, oui, celui-ci va être lock. Donc on va récupérer le Azir du côté L'Azir est Sasanquois. lock, on garde les picks top lane en dernier. Et un Le Nasus. Nasus. C'est audacieux. Je pense C'est pas très qu'il va être audacieux. verrouillé. Je pense pas non plus. Car Nasus se prête pas forcément extrêmement bien à leur compo, mais Ouais, ça me semblait. une Gwen, ça m'a l'air mieux aussi. C'est le Jax, On a visiblement, en Jax en réponse. réponse. Est-ce qu'on va le verrouiller? On va le verrouiller. Et on verrouille le Jax. Et on a quoi? À part le Nocturne, on n'a pas un perso de la game 1. Ça va être très intéressant à voir. On va avoir une game potentiellement totalement différente. Tellement différente. Donc en top lane, on sera toujours sur de la grosse baston. Surtout avec Jax hein, qui reste toujours aussi fort. Gwen qui est très menaçante, hein, qui peut complètement ignorer les combos de Leona pour en team fight. Pareil pour la boule de Lilia. Il faudrait que ce Jax prenne de l'avance pour pas laisser la Gwen prédominer la top lane dès le début. Ah mais oui, ça va être plus intéressant à suivre, surtout Oui, qu'on tout le avait temps. vu le caractère agressif hein, Oui. des deux top laners sur la première game. Les deux top laners qui aiment bien se bastonner. On aura encore une fois, je pense, une mid lane assez passive avec Lissandra Azir. Il ne se passera pas grand-chose avant les objectifs. Du côté de la bot lane, on a quand même un sacré combo avec Leona Tristana. On a de l'engage, on a du disengage pour la Tristana. Là où Vayne Janna, elles ont juste de quoi les repousser. Sans vraiment pouvoir se permettre de trop avancer sur une Leona qui serait extrêmement dangereux. Ouais, faudra faire attention à pas s'en finir. Je pense qu'on partira hein, sur une cleanse du côté de la Vayne. Oui, sans Et doute. il faudra faire attention parce que entre les différents champions de l'équipe Azurix, on peut rapidement foncer sur quelqu'un avec le jump in de la Tristana, avec le E de la Leona.
avec les différents gap close que peuvent avoir Lissandra et Jax. Une cible isolée qu'on apercevrait au-delà d'un mur, elle C'est une. serait, ouais, serait très 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 rapidement. Et la phase de pique commence à être assez rapide. Directement, ouais. Du coup, verrouiller les champions et on sera directement lancé. Du coup, dans cette deuxième game, on aura potentiellement une troisième. Comme ça, j'arrête. On verra voir ce que si les 500 quoi sont en mesure d'égaliser la première victoire à Zurich. On a quand même une composition qui cherche à engager assez sévèrement du côté des 500 quoi avec Gwen, Azir et Nocturne. Hein, ça peut aller très 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 vite. Bien que du côté des Azurix, il y ait de quoi disengage, de pouvoir tempo les fights. En général, ça peut être un catch avec le Azir. Très facile, là où tout ce qu'ils auraient pour eux, ce serait de pouvoir stun ce Azir. Mais encore faut-il réussir, car il restera forcément à distance. La Tristana qui pourrait s'avancer, mais serait très risquée encore une fois, parce que derrière on a la Janna, la Gwen, une Nocturne en récupération. En tout cas, on aura un early très bagarreur en top lane. Potentiellement un fight pour les mythes, je pense. Ça, la partition impériale qui sera, je pense, primordiale pour l'équipe. Pour l'équipe, ça sent quoi? Parce que c'est vraiment ce qui va permettre de contenir une offensive trop optimiste du côté des Azurix. Oui. Si jamais ça passe. Ça risque d'être compliqué. Bon, on sent quoi. Mais bon, on verra bien ce que ça va donner. Non, en effet, mais on sait quand même que le mythe des 500 points est un joueur qui en veut. On l'a vu avec Saniko. Donc, à se méfier. On voit qu'il maîtrise quand même très bien ses flanks en teamfight. Il a mis d'excellents flash-in. Donc, il ne faudrait pas se faire reprendre par les Azurix sur ce côté-là. Ouais, c'est un peu lui qui avait un peu, je veux dire, sauvé la game, parce qu'au final, elle a été perdue du côté de 500 quoi. Non, mais il a réussi ouais. à la tenir à bout de force, tout seul. Ça a permis de donner un peu un espoir dans cette game, et surtout de se dire que bah, potentiellement, les Azurix sont prenables sur cette deuxième game, oui. avec une compo potentiellement plus... plus efficace parce qu'au final, oui, on le répète, hein, mais ce Horn qui était vraiment l'épine dans le pied, qui était intuable et qui mettait un peu dès le début de la game rapidement bah, un pied dans la tombe. Toute tentative de décale sur les objectifs hein, à lui tout seul. Ouais, c'était vraiment un mur, il n'y avait pas d'autre mot pour le décrire. Non, un gros mur. Et la game qui va se lancer après le chargement. Donc on peut voir hein, que Bronya, lui, il connaît bien son champion. C'est un bon joueur de Gwen. Tout comme Sliz sur son Azir. Donc on s'attend à ce qu'il y ait quand même des maîtrises de la part des joueurs. Là où Jax, certes, est un champion qui a l'air simple par son kit, mais qui manque quand même beaucoup de réflexion sur le placement et comment tu pourrais gérer mieux en teamfight. Ah, alors qu'on a une déco, non, c'est on bon. On a une déco, non. Et c'est reparti. On est parti dans cette deuxième game. Ça sent quoi contre Azurix? 1-0 pour Azurix qui peut aller chercher du coup. La victoire sur cette première journée de la saison 12 de la Watt Venture. Et on part, j'ai l'impression. Il y a un problème avec le son. Je ne sais pas. Ok. Alors qu'on se montre du côté de Noctor dans la jungle. Est-ce qu'on va voir un peu prendre sa revanche sur Kins, surtout qu'on a posé la ward sur le red buff. Et ben on se rappelle hein, de Kins qui a pris facilement 4-5 camps dans les 14 premières minutes à son vis-à-vis.
Oui, c'était permis de voler beaucoup de choses dès le début sur le Lee Sin qui était un peu trop oversaillé en bot lane. Parce qu'on a potentiellement un cheese de la bot lane. Ils sont quand même vachement avancés, la ward elle est posée dans le bush au-dessus. Non, finalement non. On va pas tenter le diable. Est-ce que ça aurait vraiment passé? Je pense que ça aurait pu être un peu... mauvaise surprise pour les... Pourquoi pas plus mal qui n'est pas forcé. Non mais... Comme on a parlé, hein, l'exhaust du côté de Kristana, mais surtout la cleanse du côté de la Vayne contre cette Lissandra et contre un potentiel petit Leona. On veut avoir de quoi se défendre pour les carriadés de l'équipe en quoi. On a une grosse agression quand même de la part de la Lissandra en mid lane hein, qui montre que elle décide du timing de la mid lane, elle a le push, elle a l'avantage. Directement en frottant le level 2, ouais, je le regardais en frottant sur la top lane. Oui, probablement toujours aussi bagarreur. Et je pense qu'on va avoir le même genre de top lane qu'on a pu avoir. Je pense évidemment, aussi. Ouais. Attention Moktor, on se montre. Sur la bot lane, on va peut-être même essayer d'aller voler un camp. Moktor encore aller invade. Et attention parce que Cleanse lui vient de finir ses loups. Et s'il est vu, il pourrait se faire tuer parce que la bot lane pourrait être très vite roam dessus, mais ça préfère. Reset, ouais, le bon reset. Bon reset, ça cherche juste le farm. Mais non, ça se montre toujours. La ward qui va être prise. Palette contre Bush. Agression, bah si, Moktor qui continue, Moktor qui veut oui, vraiment on a aller chercher. Une grosse agression top lane, hein. Les deux veulent le kill. Attention, on veut le bleu, la décale. De Sleaze. T'as quand même d'avis de faire attention parce que ce Gwen a toujours commencé avec un Ignite. Bon, Kalopsia qui va flasher directement. L'arrivée d'Obsalka, on va réussir à récupérer le buff du côté de Clint. C'est assez. Mais si, mais le premier qui pense, qui récupère sur la top lane. Les joueurs d'Azuré qui sont très loin, HP qui vont reculer. On a réussi à gagner ce bleu. Il y a deux flashs qui sont partis du côté des Azurix. Un seul du côté. Sans quoi, ce buff qui a été récupéré, on se retrouve avec 3 camps d'avance, mais si on prend le Carapateur directement du côté de Moktor, en ce temps, ouais, du coup, Rodon qui a réussi à prendre un kill en 1v1 contre Bronya, avec son Jax. Patate, la Gwen qui n'a pas utilisé son Ignite, qui va faire le conserver pour une occasion plus importante, sûrement. Elle a dû claquer la TP, évidemment. Pas se faire prise. Mais le Jax qui y retourne. Ça met de la pression, ça met de la pression. Le Jax a raison de se permettre autant de fights. Parce qu'on a plus de TP hein, du côté de ce laner. Non, on a plus de TP. Le Jax a l'avantage des golds. Il a déjà acheté sa BF et son cristal de rubis. Et sa BF, son épée longue. Oh, sur le flash directement de Frodon. On va réussir peut-être à tuer Bronya. Non, on s'en sort avec. Petit point de vie. Ouais, très très peu d'HP. Mais on était pas loin de la correctionnelle. Pour Bronya qui souffre sur ce début de game. On a Kalopsia. Kalopsia qui s'est permis d'avancer pour mettre une petite ward sur les camps du Nocturne. La vision, on va aller chercher ses grubs. Et on n'est pas en position de jouer le dragon comme on avait pu le voir de l'autre côté sur ce premier spawn. Du côté de Nocturne, on ne peut pas jouer le Drake. Pas de pression. Dante. Pas présent surtout sur le reste de la carte et on a failli avoir deux kills et là je pense que le Jax s'il avait eu ce deuxième kill serait ça aurait été finito pipo pour la Gwen, ça a été l'autoroute. Il a déjà presque un lead de 15 CS ce Jax. Faire attention pour reproduire la même erreur de laisser le top laner trop derrière du côté des sas en quoi serait dommage. Gwen a quand même une position de teamfight assez importante. Ça ping bot. Est-ce qu'on peut peut-être tenter quelque chose pour aller jouer ce drip du côté des Azurix? Oh, attention, Kylis. Il sort du bush. Kylis est absolument pas sur Family Boy, mais on va reculer au final. Pas pour moi. Et on a les deux junglers qui vont se diriger vers ce dragon.
fait attention à la mêlée d'avance hein, déjà pour Clens Samoktor. On a vu cette Liga qui a une Warp qui est venue. Ils vont essayer de jouer la vision, je pense, pour quelque chose. Peut-être Lilia qui va tenter un gank. On n'est pas loin du level 6, il y a moyen qu'elle récupère son un peu d'IP sur les clips. Non, elle est trop loin. 27, justement, on va couvrir une potentielle arrivée sous Nocturne. On va réserver Azurix à 3. Ensuite, le Jax, lui, qui continue de dominer cette top lane. Hein. On voit qu'il se permet de freeze gentiment. Sur 800 gold d'avance déjà hein, du côté y a toi un Kagon hein, du côté de Frodon sur cette Gwen avec plus de 20 CS d'avance. Il a déjà deux niveaux, ce Jax a un lead énorme. Les trois prochains grubs sont sûrement pour les Azurix sans aucun doute, qui est de défendre avec la pression que met ce Jax. Oui. On a un point. Non, c'est toujours pas le level 6 du côté de la Gwen. La Gwen qui va se faire méchamment. Elle peut même pas se permettre de l'empêcher de prendre les plates. Elle a 3 récupérés sur ses creeps et on prend quand même un petit coup de tour. C'était de la petite patate lampadaire gratuite. Et on a Kalosa qui fait un bon travail de ward, hein, qui va dans la jungle, qui ward les deux buffs pour sortir en permanence le Nocturne. On veut créer des opportunités avec la Lilia potentiellement. Bon, c'est sur la bot lane, E qui touchera pas. On va, j'ai l'impression de se diriger vers ce dragon, ou en tout cas au moins sur le red buff. Justement, comme à la game précédente, quasiment sur le même timing, le level 6 des deux junglers. On va récupérer ce red buff. Red buff et puis sûrement un Drake après. De toute façon, on avait vu Moktor qui était sur son bleu de la part de Frodon, donc on était venu voir ce qui se passait. Donc la Lilia s'est permis d'aller chercher le raid. Sûrement un Drake là tout de suite. Le Jax il va peut-être lâcher un back après son push. Il aura sa TP de up. De la pression, hein, je. À la Gwen ne peut pas se permettre de jouer, il va falloir du jeu de la part de Moktor sur cette top lane pour reprendre un peu l'avantage, espérer éventuellement après le Drake pouvoir faire les grubs à 2 ou à 3 avec le Azir. Ouais, parce que là on prend le Drake du côté de Klins, mais du coup ça fait que du coup on a même pas de quoi un peu être soulagé du côté de Brunia, à moins que Moktor, mais Moktor est vu, hein. Il y a même Krisis qui est en train de faire la décale. Ça va être compliqué d'aller chercher ce Jax. Vraiment un V2. Klins qui remonte pour assurer qu'il ne se fasse pas gant, qu'il n'est pas au courant qu'il est vu. On va avoir un 4v4 pour les. Il force le fight sur la Gwen. Le Gwen qui est lâché. Gwen qui va lâcher, mais profondément qui va aller tuer Brunia, Moktor 15. Sur compliqué. Il va être obligé de flash out pour s'en sortir. Et ça va être les grubs qui devraient être récupérés. Évidemment. Sans trop de difficultés. Heureusement pour les sans quoi. On se console avec quelques plates sur la mid lane. Mais sans plus. Et bah non, du coup, mais la prendre cette veine, on va pouvoir mettre la pression suffisante pour jouer ces grubs. On a même dû reculer. Du coup, quelle option, on était assez low HP. Et attention, on va TP directement dans le pit. On veut essayer d'y retourner. Attention, la TP également de Brunia. Du côté de Crisis, on est peut-être un petit peu esselé. Lens dans les coups de dégâts. Le tick à partir de Crisis, mais ça ne suffira pas. On tombera sous les coups de ce Azir. Attention, la Clean directement d'El Storm qui part sur l'ulti de la part de cette Lissandra. Clean qui prend pour l'instant un Void Grub. Ça se joue un peu de tous les côtés. Alors, exploitation situation compliquée sous les coups de Frodon. On va reculer. On va reculer au maximum. Le triple slip qui va partir. On n'a pas forcément de quoi follow up. On va s'assurer quand même, du coup, d'aller chercher le sixième Void Grub. Ça a été très compliqué, on a perdu un membre de l'équipe du côté des Azurix, mais on s'en sort quand même très très bien avec ces 3 Void Grub. Exactement, parce qu'on a quand même pendant le fight Lissandra qui est retournée à la base et qui a TP sur eux. Ensuite Jax qui a fait exactement la même chose, donc on pensait avoir un avantage du côté des Sassanquois sans se douter qu'il y avait des TP qui pouvaient être lâchés. Ça a dû les surprendre, ils ont décidé de reculer, de ne pas pouvoir faire les Grubs.
qui a permis tout simplement de récupérer les deux drops qui restaient avec la Liga et le Jax. Sans trop de problèmes, vu la menace qu'il représente, il a pu back pour acheter sa titanesque sur Steining. 50 CS d'avance hein, du côté de Frodon. Ce qui fait 2K gold hein, au total d'avance du côté de Jax. On a quasiment le double. Attention, Calopsia qui est peut-être un peu trop avancé. Est-ce qu'on va réussir à tirer la griffe? Non. Peut-être tomber sous les coups d'Hellstorm, le flash out. Et attention, d'arriver avec Falca sur Hellstorm qui s'est trop avancé du coup. Et on va tomber du côté des Storms, c'est très très dur à encaisser je pense, du côté des Sassan quoi, c'est peut-être même un double kill qui va être récupéré par Selka. On a son flash du coup, Hellboy, on ne devrait pas tomber, on va pas aller plus loin du côté de Selka. Là c'est catastrophique, hein. La petite auto-attaque manquante sur cette Lissandra, c'est vraiment ce qu'il leur fallait, ne serait-ce que pour avoir au moins un petit espoir d'avoir quelque chose en fight, un petit avantage sur cette Vayne. Mais non, la Lissandra qui a réussi à survivre, la Tristana qui prend le kill de tout. C'est tragique. Oh, attention, Tatoune peut aller un peu trop loin du côté de Frodon. Non, sans c'est l'ulti de Boktor sur la bot lane. On va être pas mal de CC. Attention, Hellstorm qui va aller chercher cette Tristana. La roulade, il n'y a plus de flash. On va prendre un kill du côté d'Hellstorm. Chris, il va surtout maintenant esseler. Il y a Cleanse qui est arrivé, qui peut mettre un ulti évidemment sur les deux. Joueur, ça sent quoi? Et non, il vient à peine de le récupérer. Heureusement, il récupère une ou deux secondes trop tard. Il ne peut pas jouer là-dessus. Sleaze qui va peut-être dive. Non. On va se contenter de ces deux kills récupérés. Exactement, on se contente de ces deux kills. Peut-être un peu trop de confiance du côté des Azurix. Hein, la sortie de la part de ce Jax qui pensait pouvoir tenir la Gwen, mais l'ulti de Gwen fait quand même énormément de dégâts. Il s'est pris beaucoup de coups de tour. Elle a pu récupérer un shutdown de 550 gold. La Tristana aussi qui est trop restée. La Leona qui s'est fait catch, c'est vraiment dommage de la part des Azurix. Qui aurait pu rester sur une lignée comme ça de domination permanente. Mais on en a voulu un peu trop, ça s'est payé. A voir comment ils vont s'en sortir sur le prochain dragon qui va bientôt apparaître. Ouais, dragon des nuages, est-ce qu'on va avoir comme la game précédente une... On va pas faire mal en tout cas, on n'a pas l'air forcément positionné pour aller de Cleans dans 24 secondes. Et Frodon qui n'a pas appris de ses erreurs, qui continue de prendre des trades. Je pense qu'il peut se le permettre, je pense que c'est une erreur, un mauvais timing parce qu'il était trop au HP sur le move précédent. Mais là, il a pris la quatrième play en ce temps quand même sur la top lane. C'est un peu l'erreur qu'il a pu commettre. Et voilà, le reset beaucoup de la titane est tellement mal. Ils vont pouvoir jouer cette Herald sans aucun souci. La Lissandra qui va garder sa TP, je pense. Pendant ce temps, on a pris quand même la première tour hein, au niveau de la bot lane. Ce qui fait qu'on n'a pas envie d'aller chercher le Drake hein, en réponse à cette Herald du côté des Assassins quoi. Ah, et puis de toute façon, ils ne peuvent pas. Hein, le Jax qui prédomine cette top lane qui empêcherait toute tentative de décal de la Gwen par un kill. La botlane en plus qui a un énorme trou, impossible de prendre l'avantage sur ce Drake. Au final, on va remarquer un peu de Doctor. Ouais. On s'est avancé, mais ça. On a bien défendu. Directement smite. Pas pastille. Oh, attention, Frodon sur la top lane qui va prendre le kill. Et ne pas mourir en hein. Unité. C'est très espéré malgré le retard, mais heureusement, Doctor arrivera pour venger son coéquipier. 1 pour 1, mais du coup on s'annonce totalement et c'est peut-être un Drake qui va être récupéré par Azurix. On s'y dirige en tout cas du côté de Cleanse et de Calopsia. Ok, la chose à faire hein, de toute façon. Je pense pas qu'il y avait de meilleure solution dans un setup comme ça. Autant récupérer les kills sur le Jax, n'empêcher non plus de faire un énorme trou en top lane et à côté de les laisser prendre le Drake. Ils prennent là où ils le peuvent. Bien qu'ils soient derrière, ils ont quand même repris un petit écart de gold sur les deux kills sur cette Vayne. Il n'est plus aussi en retard qu'elle l'était il y a quelques minutes. Mais le Jax, lui, reste toujours aussi menaçant. Il a maintenant la brillance. Sûrement prendre la tour. Il a claqué sa TP d'ailleurs, donc il n'y a plus de TP là où la Gwen l'a toujours. Donc, Calopsia, on va y aller. On va se faire neutraliser par la tornade de Friendly Boy. Envie d'aller chercher, hein. Attention, oui, le dash-in de la part de Psalka, on veut aller chercher, on est dans cette phase avec le Kraken Slayer de la Tristana.
On veut tenter quelque chose au mid, on sait où sont les joueurs. Qui va se faire ulti, tout multi avec l'ulti de Kane ici directement arrivé trop long derrière, qui va se faire totalement neutralisé avec la partition impériale. Excellent partition impériale de la part de Sliz, et on va faire tomber du côté de Moktor, on va faire tomber Prodon, l'Herald qui va probablement perdre cette T1 tout de même. Mais ça aurait pu être bien impérial, peut-être un manque de coordination de la part des Azurites. Attention, Moktor va y aller directement, Hellstorm qui va faire tomber cette descente, le Slick qui va partir. On n'est pas mort du côté de Moktor, on a que quelques HP, moins de 30 HP, on sortira pour ce dernier. Il y a un peu de mal à avancer en fight, pour faire de l'HP sur la fin des fights. Tenter quelque chose. Malheureusement on ne prendra pas de kill, mais au moins on protégera cette tourelle. Et il y a des bons ultis, mais malheureusement, il n'y a pas de quoi aller chercher. On défend bien les coéquipiers endormis. Oui, c'est dommage. Elle n'a pas de quoi s'avancer sur les fights comme sur celui sous la tour. Malheureusement, le Azir qui est trop bien protégé, qui a quand même réussi à se protéger du Jax malgré l'ulti Lissandra et l'ulti Leona, qui était peut-être un peu trop pour un seul homme. On vous l'assure, les kills, ça n'a pas pu se terminer. Mais bon, maintenant, on essaie de passer à autre chose. Sûrement d'essayer de push cette mid lane. Juste de garder un avantage DCS assez conséquent. On veut pas que la Gwen remonte. Le Jax qui est toujours énormément devant malgré les 3 morts. Là, c'est à dire. Hein. Je pense qu'il est très bien utilisé actuellement. Qui se débrouille très très bien pour le moment. On l'a vu sur le move sur la mid lane. Quand ça va s'accélérer, on arrête d'attendre Nashor. Ça rappelle donc attention les dégâts que ce dernier pourra mettre. Oui. Pareil pour la veille. Hein, je pense que la meilleure chance pour les. Ça sent quoi? C'est de, voilà, de faire durer, d'atteindre les spikes sur leur champion. Parce qu'on a un énorme spike avec cette veille qui pourra découper n'importe qui se présentera. Et attention, il y a un catch qui se prépare. Ouais, est-ce qu'on est vu du côté Azurix? Bon, j'ai pas l'impression. On va dasher directement, attention, par contre, on est peut-être allé un peu trop loin. Même si Friendly Boy va se retrouver sous les. Il va tomber sous les coups de Frodon. Une magnifique grab de la Leona. Exactement, sans flash. On n'a pas claqué l'ulti hein, pour la Janna. On peut le garder, il y a peut-être un fight qui va se faire avant le prochain break. Je pense surtout qu'elle a pas eu le temps de l'utiliser, elle s'était pas assez rapidement quand même. C'est assez rapide en effet. Et on a quand même toujours 6 mythes, 6 hein, grubs du côté des Azurix, donc les tourelles elles tombent extrêmement vite. Les dégâts sont vraiment colossaux. Attention, si Zobot qui va se retrouver un peu en tenaille, 4 joueurs qui lui foncent dessus. On a posé la tourelle, mais heureusement son équipe va arriver potentiellement pour le sauver. En effet, on sera à l'abri. Voilà, on préfère reculer. On veut pas forcer la TP de Jax pour un fight comme ça, ce serait dommage. On va plutôt le laisser avancer en top lane, le permettre de push, peut-être essayer de descendre cette Gwen sur ses HP avant que le fight au Drake commence. En sachant qu'ensuite il y aura potentiellement un Nashor, donc est-ce que le but c'est soit de faire un Drake et d'ensuite décider de push la bot lane et de pouvoir prendre des gold là-dessus, ou de laisser le Jax en top lane. Peut-être laisser le Drake, mais de foncer sur un Nashor. Ça va être les choix qui vont être à faire. On va rapidement voir la réponse. 20 secondes avant l'apparition de ce dragon. Les Azurix qui sont pris dans cette jungle, hein, ils peuvent se permettre d'avancer n'importe où. On va être vu, mais on veut essayer d'aller récupérer peut-être le Azir. Surprendre le loisir quand il remonte, ou aller chercher ce nocturne pour s'assurer la prise d'objectif. En tout cas, on est tous les 5. Ils sont 5, ils ont un excellent contrôle de la jungle du nocturne. On pourra pas avancer. On pourra pas avancer, je pense, du côté. Ça sent quoi? Calopse, côté des gars, donc on est obligé de reculer. Quelque chose du côté 700 fois en ATP, en tout cas, même si le drag va être récupéré par une seule lingage de la part du Critis, mais obligé de flash out suite à l'outil de Moktor. L'arrivée de ce Nocturne qui va se faire totalement
découpé par les dégâts de la Tristana et de la Lissandra. Attention, parce que trop long. Surtout seul en compte la Inis qui va réussir à tenir. Bon, essentiel storm qui a fait tomber cette Tristana, c'est de tous les côtés. Ça tombe, il ne reste plus que vous du côté des Azurix. Excellent dégâts de la part de Steve qui va prendre un quadra kill sur ce fight. Ça s'est joué sur deux côtés et ça s'en sort très très bien du côté des 500 croix. On a eu un incroyable fight de Hellstorm hein, qui a empêché absolument le Jax plusieurs fois d'arriver sur lui. Le Azir pareil, incroyable fight. Le Jax, personne ne lui permet d'avancer, c'est la plus grande menace, ils le savent, et il l'empêche absolument de faire des dégâts en team fight, donc c'est exactement ce qu'il faut. Donc là on a 5 kills sur le Azir, bientôt là dans le Nashor, quand il aura le Rabadon, ce sera, faudra vraiment se méfier. Excellent fight hein, de la part de Sliz, et comme tu disais, de la part d'Hellstorm qui est allé chercher cette Tristana, Snap, Salka, qui n'a pas pu se défendre face à... Face à Hellstorm. Il n'arrive pas à faire ce qu'il veut en teamfight, hein. Il a pris un énorme avantage en lane, mais maintenant il faut faire quelque chose, il faut arriver à rentabiliser cette avance. Prendre une tour c'est bien, prendre un dragon c'est bien, mais se faire détruire par la Vayne et le Jax et le Azir derrière, c'est pas ce qu'on veut. La Lilia qui non plus n'arrive pas à faire son travail, hein, qui n'arrive pas à avancer dans cette backlane, qui n'arrive pas à sleep. On a Clalissandra qui souvent avance peut-être un peu trop deep, comme on l'a vu sur le dragon. Jax qui va se faire aider. Orgonia, l'arrivée de Moktor, mais il y a toute l'équipe Azurix dans le coin. Il n'y a pas de sniff du côté de Clint, si Velagwen va retrouver la situation compliquée. On n'a pas de flash pour Bronya, l'ulti de la jeune, pour essayer de faire tenir son coéquipier. On met beaucoup de dégâts du côté de ce Jax. Pour l'instant, personne ne tombe. Hellstorm qui prend un premier kill sur la Leona pour l'instant. On a pris un kill sur cette Janna. Les deux supports sont tombés. Mais là, c'est la Tristana qui va tomber la partie sur Impériale pour aller finir cette descente. Et Clint qui va se trouver une fois de plus dernier en vie avec son Jax. Et on va tomber sous les coups de la Vayne. Attention, on y retourne du côté de Frondon, peut-être pour essayer de clean up. Et non, on tombera, il n'y a plus que Hellstorm en vie. Ce sont des fights très 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 disputés, ça se tombe de tous les côtés. 5 kills à 4, et une fois de plus, extrêmement bon fight de la part de Hellstorm et de Sliz. Hein. Sliz en 7-1-4, excellent partition impériale pour aller finir la Lissandra. Voilà, on a peut-être un peu de mal avec à tenir cette Vayne, on l'a vu, elle était en free DPS sur, dans le buisson, la Tristana qui se laissait taper, qui a dû du coup dash out. Et le Azir pareil, là on avait Vayne d'un côté, Azir de l'autre, ils étaient tous enfermés dans ce beau petit paquet. Impossible pour eux de s'en sortir. Maintenant le Azir qui a sa dent de Nashor, qui part sur une flamme ombre, aucun Rabadon. Ouais, là on va avoir... C'est bel avantage du côté de Kat. C'est le premier fight où Frodon a pu réellement s'exprimer. Et ça s'est vu, hein. On est allé chercher, cette backline. On est allé chercher la backline, on s'est permis ensuite d'aller plus tôt pour récupérer. On a récupéré 2 kills sur la fin. Il n'a laissé que Hellstorm de vivant sur ce fight. Maintenant il faut se méfier de... Il est un peu trop tard pour se méfier de Hellstorm, hein, qui a déjà ses 3 items. Le Azir qui se dirige sur le troisième. Là où on avait un mini avantage en botlane grâce au Jax, on l'a perdu en laissant tous ses kills à Vayne sur les excellents teamfights qu'elle a fait. A voir comment ils vont vouloir jouer. Je pense qu'ils pourront les empêcher de prendre ce techno-chimiste, enfin, ce dragon. Et en tout cas, Frodon qui a bien fait d'aller chercher. Oui, Frodon qui a très très bien joué. De toute façon, ça aurait été le pire scénario s'il n'avait pas pu les prendre. Ça aurait été Baron, je pense, pour. Et là on laisse Frodon push tout seul en top lane. Ah bon, s'assurer de la position. Un peu tard. La tourelle bleue a été détruite. S'assurer d'avoir la position peut-être pour ce Drake, mais au final on est à circuler parce que ça push aussi sur la mid lane. On est circulé sur la mid lane, mais pendant ce temps la Lissandra peut se permettre de faire avancer la wave, donc sûrement de vouloir prendre le dragon. Ils vont chercher à prendre la vision, à prendre l'avantage sur les deux lanes. Jax qui va de conserver sa téléportation, les accompagner sur ce dragon, potentiellement un fight là où Gwen ne sera pas, où elle devrait être. On va TP au final, on va TP. On force la TP puisque ça veut potentiellement faire un fight. Ça veut... On revient sur ce dragon, on a de quoi contrôler, on a de quoi s'assurer que personne n'approche. On va tenter un trap, non, on sera vu directement, même si Boktor va se faire appeler, va arriver directement le front dans le fight. Il va découper Fenty Boy,
l'arrivée de cette Lissandra, mais qui va se faire repousser par Sylvie. Attention, c'est 1 point pour le moment, 2 pour 1, un deuxième kill récupéré par le Azir, un slip qui va partir, mais on a plus les dégâts pour les chaînes directement derrière. Le flash-in de la part de Klins, mais trop optimiste, on n'a pas les dégâts du côté de la Lilia pour s'occuper soi-même des joueurs, ça sent quoi. Cette Lilia qui n'arrive pas à accéder à cette backlane, hein, c'est toujours extrêmement tragique, elle ne trouve pas la position idéale pour pouvoir aller faire slip cette Vayne ou ce Azir. Mais Frodon qui a réussi quand même à lâcher un beau flash E sur la Vayne pour la terminer, l'empêcher de détruire ce fight. Donc on perd le Drake, on reste quand même sur une note assez positive pour les 60 quoi. Non, tu perds ce Drake, on a récupéré quelques kills. Mais là, du côté des Azurix, ça va devenir plus compliqué parce que tu ne peux pas forcément aller... Ouais, ce Jax va peut-être commencer à perdre un peu l'avantage qu'il a, même si contre la Gwen, il devrait toujours se débrouiller. Mais on a quand même ce Azir là, 8-1-5 pour Sleeze. Là, ces 3 items contre la Lissandra qui n'en a que 2, ce serait très 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 compliqué à s'assurer de pouvoir push. Et au final, à part une tête de bot, il n'y a plus grand chose à prendre de toute façon pour ce Jax. Il va falloir trouver une opportunité de toute façon pour empêcher la Janna de sauver le Azir en fight, qui fait qu'à chaque fois il se permet de pouvoir rester derrière, protéger du Jax, la Vayne pareil. Donc le plan de jeu, ce serait bien qu'ils arrivent à tomber Janna, peut-être ensuite la Lissandra qui pourrait lâcher un flash-in sur le Azir, tout de suite le cancel avec son ultime, permettra ensuite à la Lilia d'avancer, de pouvoir lâcher un slip sur au moins 2 ou 3 personnes plutôt que de le lancer en fin de fight comme à chaque fois. Tiens, on tourne vers ce baron, on prend la vision. On sent vrai qu'il remonte hein, de la bot lane. On va toujours une TP au cas où, mais on préfère monter à pied. Ouais, 2 ennemis touchés avec la bombe de Lilia. Elle n'avait malheureusement pas la vision pour savoir qui était derrière. On va pas tenter un rush baron, on a pas mal de dégâts, même chez Lissandra. Avec Lissandra, avec Tristana. C'est un bon HP, est-ce qu'on va le voir du côté sans quoi. On le voit pas. Je pense que c'est un Drake, un Asher Sneaky, il est parfait. On va s'en rendre compte au dernier moment et c'est trop tard. Bon, attention, elle sort, mais elle sort qui est peut-être un peu trop avancée directement. L'arrivée de Calopsia, l'ulti qui va partir de Nocturne pour défendre. On a des carries, on va prendre peu de dégâts du côté, mais son on va s'ulti. Doctor qui va être très très loin HP également, elle sort qui va se trouver dans une situation compliquée. Il faut que Bronya aide son ADC. Elle sort qui met des auto-attaques. On va réussir à faire comme ça. Mais la Vayne va tomber ensuite. Bronya pour l'instant, qui fait tomber tout de même. C'est 2 Lissandra. Et c'est du 3-3. Il reste les mid jungle, top jungle de chaque équipe. Et elle semble qu'il s'est peut-être fait un peu hors de position. Attention, Frodon qui va voir y aller directement pour ce Azir qui va se faire récupérer tout tour. Monstrueux par Klens et par. Attention Klens, est-ce qu'on va réussir à aller chercher? Oui, on va réussir à aller chercher ce Nocturne. Et avec le buff baron, on peut peut-être pas aller prendre un inhib. On va s'arrêter à là, très très bon slip. La Pontify est récupérée par les Azurix. Il semble qu'il était peut-être hors de position pour prendre l'information sur le baron. Ah, peut-être c'est un surplus de confiance de la part de Sly sur son Azir, parce que un teamfight c'est une machine, mais quand Janna n'est plus dans ce fight pour l'empêcher les carries de l'équipe des Azurix d'avancer, il vaut rien face à ce Jax. Comme on a pu le voir, il s'est fait méchamment dive sur cette tour. Jax passe quand même la plus grande menace de la game. Il part sur son dernier item pour Azenia. Et on va potentiellement avoir un. Est-ce qu'on veut tenter le teamfight malgré le buff baron du côté Azurix? Et ça sent quoi? On n'a pas forcément envie, je pense, d'avoir cette Amextech. Avec un Jax. On n'a vraiment pas envie, ce serait une réduction de dégâts, donc tu veux pas voir sur un champion qui a déjà des résistances beaucoup trop élevées. Et au final, maintenant, avec ce buff baron. On force la top lane et la bot lane avec la Lilia qui l'a toujours, le Jax qui l'a toujours, personne pour empêcher ce Jax. À faire attention qu'il aille pas trop loin. Attention, arrivée d'Elstorm. Ouais, la condamne qui est partie après le dash. On a potentiellement pouvoir s'en sortir.
C'est quoi après, oui, ça sortira. Mais du coup, ça fait que sur la botte, ils ne sont que 3 pour défendre l'utile de tout ce qui appartient directement. On va réussir peut-être à verrouiller cette Janna. Non, elle a réussi à flash out. Elle va s'en sortir. On a eu beaucoup de chance. Énormément de chance, mais on claque le flash, le heal, le loot. Là, on a plus rien du côté de cette Janna. Là, on a juste utilisé l'utile Sandra et Leona. Le Jax qui est toujours en fight. Il met énormément de pression sur cette bot lane sans pouvoir pour autant arrêter le Jax d'en mettre en mid lane. Il va peut-être aller prendre. Non, il n'ira pas prendre le Viper. On va se recroqueviller sur ce dragon. Ouais, ce sera la Mextech. Mextech, dragon en 3 minutes, ça va être le prochain du kit. Attention, Photon qui va essayer d'empêcher. Ça s'entraîne d'avancer. Qui va de la part de Frodon, mais qui va ult Doctor, on va essayer d'aller chercher ce Jax, l'âme qui va être récupérée, attention Chris, est-ce qu'il va y aller directement avec son E, la Salka qui va réussir à prendre le premier kill sur Doctor, Chris est-ce qu'il va tomber sous les coups de Bronya et de Sleaze. Ils vont reculer, là on a les creeps qui pêchent au mid, ça sert à rien de vouloir forcer le fight, on a déjà récupéré l'âme, on n'a pas besoin de plus, on prend un reset et on y retourne et on termine la game du côté d'Azurite. Ça va y aller tranquillement, je pense, du côté des Azurix. On va pas vouloir prendre trop de risques. On dit à Mextech, mais c'est la même technique, on va pas y arriver. Oui, c'est bon, c'est bon. Je crois que moi aussi j'ai fait l'erreur. Mais enfin, on a Jax qui a pu compléter son Zonia. On a Jax en teamfight là qui va être inarrêtable. Hein. La Lissandra qui, certes, est derrière, mais qui arrive à poser d'énormes dégâts, qui a quand même. C'est de contrôler avec son ult, mais sur le teamfight avec la Janna, on a pu voir que la Janna résiste. Hein. Elle s'est pris quand même l'ulti Leona, l'ulti Sandra encore une fois, mais ça ne veut pas tomber. Hein. Réussi à tenir pour cette Janna, pour Fendi Boy. Avec des coéquipiers. Attention, parce que là on a plus de flash pour sortir si jamais on va se produire. Rodon qui va être obligé de reculer. Ça va jouer pour le. Ce baron dans une minute 15 peut prendre la position hein, du côté Azurix. S'il l'a récupéré du côté quoi. Ou est-ce que ça veut forcer un teamfight et terminer la partie? Je pense qu'ils vont voir s'ils veulent une possibilité de catch, sinon ça va juste retourner sur un Ashor. On va avoir une TP du côté de Psia. Non, on n'y est pas allé. Pour Calopsia. Il a sa TP. Et attention parce que ça va push bot, on va avoir deux waves. On a Frodon qui va se diriger en bot lane, qui a sa TP de Kiora, sa TP de up pour le baron. De toute façon, on cherche pas à forcer un fight du côté des Azurix, ça servira à rien, ils ont l'avantage de partout. Juste autant attendre les timings des objectifs. Le Jax il se retrouve tout seul face à la Gwen, il va être obligé de reculer. Peut-être un peu trop avancé de la part du Jax, là où le Nashor n'a pas encore spawn. Exactement, il va reculer, de toute façon, ce serait beaucoup trop risqué de rester avancé. Et on va reculer, on a toujours ce Jax hein, qui va rôder, qui va attendre de voir ses coéquipiers s'avancer vers le baron. Là, on va être obligé de faire un choix, du côté des... ça sent quoi? Comment on gère cette situation? Parce que si on va tous baron, il y a ce Jax qui peut finir. Est-ce qu'on va plutôt tenter... simplement de tanker le Nashor. Ouais, le Nashor va être récupéré très rapidement pour les Azurix. On va pas arriver à temps du côté de Noctor. Et pendant ce temps, c'est Vin qui est récupéré par Frodon sur Bornia. On va y aller directement Noctor qui va se faire découper par Salka. Friendly Boy qui sera le second à tomber. Elle semble qu'il est tout seul pour combattre toute l'équipe Azurix. Et on va tomber malheureusement. 4 kills récupérés au global. Et je pense qu'on va potentiellement essayer de finir. Et c'est une fin de game. Ouais, hein, la TP, hein. Les Azurix qui avaient un avantage monstrueux grâce à ce Jax, qui permettait de tenir la lane à lui tout seul. Il a mis énormément de pression en bot lane. Obligé d'amener la Gwen et Azir. Il n'y avait pas énormément de choix. Le flash house, est-ce qu'on va réussir à défendre? C'est mission impossible. 1v5, on fera tomber Psalka tout de même. Et ce sera la game, ce sera le 2-0. Pour Azurix dans ce BO. Bah, GG Azurix. Très bien joué à eux. En 36 minutes. Mais GG également à ça sans quoi. C'est bien qui s'est clairement bien défendu hein, sur ces deux games. Mais c'est Azurix qui l'emporte. Sur ce score de 2-0. Bien joué à eux. Qui...
qui vont prendre du coup pour l'instant la tête de leur groupe, de leur division. Et qui vont voilà, qui vont prendre une option pour déjà ce top 4, vu que forcément sur 5 équipes, il y en a une qui n'aura potentiellement pas de victoire. Et Oui. avoir cette victoire, c'est déjà un peu s'assurer une qualification pour les quarts de finale. C'est le relief, se dire que on est là, on est qualifié avec des très bonnes games. D'excellentes games. Ça a été un peu plus compliqué sur la deuxième que sur la première, mais au final, ça s'est. C'est aussi parce que la deuxième game a été beaucoup plus combative hors objectif que la La deuxième première. game était plus combative et puis peut-être des erreurs qui sont faites sur les teamfights qui ont fait que Vayne a pu récupérer énormément de kills. Un peu trop de pression justement de se dire qu'ils étaient peut-être trop en confiance, de penser que ouais, ils avaient l'avantage sur le Jax. On pouvait peut-être avancer, mais non finalement. Et finalement, c'est revenu pareil du côté des Assassin's qui se sont dit que la Vayne était puissante et qui se sont fait tout de suite punir par le Jax. Oui, on va pouvoir avoir potentiellement un joueur. Mais bon, Et ouais. incroyable deuxième game. Et ouais, très très bonne deuxième game hein, des deux équipes. Ça Il a y a eu des été. rebondissements. Peut-être que Sasanko aurait pu gagner. Ils ont commencé à reprendre l'avantage en mid-game, mais ils se sont rendus compte que c'était malheureusement impossible. Ben c'est Sojax, hein. C'est vraiment Sojax qui a posé problème, même s'il n'avait pas réussi à s'exprimer sur tous les teamfights au niveau de la macro, forcément, Il il était va de être. partout, on ne pouvait pas l'arrêter. Fallait faire un choix, soit tuer le Jax, soit aller aux objectifs. Malheureusement, dans des situations comme ça, c'était déjà fini à partir du moment où il a commencé à prendre un énorme lead en early avec ce que je crois qu'il avait son hydre titanesque à moins de 7 minutes de jeu. C'était colossal. Et en tout cas, on va pouvoir interviewer un joueur. Probablement un joueur de l'équipe Azurix. Pendant ce temps, je regarde juste de mon côté. Oh bien. Et on aura normalement dans. Alors, je ne pense pas, je ne sais pas si elle sera en stream, mais on aura du coup Sobek contre Stantard de l'autre côté du groupe. C'est l'autre match de la semaine pour cette division 3A. Et derrière, du côté ça sent quoi, on devra essayer de remonter face au Tenacity Eclipse la semaine prochaine. Pendant que les Azurix affronteront les Sobek de leur côté. 5 équipes, donc 4 matchs pour chacune. Une équipe qui n'a forcément pas de match sur une semaine. Ça va être très intéressant à suivre hein, l'évolution de chacune de ces équipes, parce que je pense que les ça sent quoi n'ont. Non, comment dire, le 2-0 ne reflète pas forcément, on aurait pu s'attendre quand on voit 2-0, on peut se dire que ça a été deux stomps de 20 minutes, mais non, ça a été. Mais non, c'était des games très très serrées à chaque fois. Ça sera le Jax. Parfait. En effet. Du coup, on aura du coup pauvre pronom. On va pouvoir demander est-ce que c'est son vrai pseudo ou est-ce que c'était simplement un rename? Mais donc du coup, on va l'avoir dans quelques instants. Et bonsoir pour Frodon. Bonsoir. Bonsoir. Du coup, j'ai un peu la réponse à moi au niveau du pseudo. Du coup, félicitations. Première Merci game. beaucoup. Première game de cette saison. Vous remportez 2-0. On t'a vu jouer sur la première game ce Ornn qui a été. Qui a été rapidement indéboulonnable faute de dégâts. Mais au final, c'était le last pick. Est-ce qu'il y avait d'autres options que vous vouliez potentiellement tenter sur cette première game face à une Akali, face à un Varus botlane? Moi, dans tous les cas, quand j'ai vu Varus, et après, je sais plus quel c'était le mid, mais je crois que c'était des champions assez immobiles. Moi, un bon tank, un bon Ornn, un bon Malphite, je prends, ça fait toujours le taf. Et après, quand j'ai vu Nakali, je me suis pas pris la tête, j'ai piqué le premier tank que j'ai vu et je l'ai lock et elle pouvait pas faire grand-chose, malheureusement. Donc voilà. Après, en teamfight, un peu de miscom, du coup, ça s'est pas déroulé aussi bien que prévu, mais je pense au niveau de la draft, en vrai.
On sentait qu'il y avait des petites dives de draft quand même. Rien que pour le pick Akali en première game en top lane face à Horn, c'est quand même extrêmement osé. Il aurait fallu donner plus de possibilités à la Akali, mais tu l'as first blood, t'as pris l'avantage. Deux fois sur les deux games d'ailleurs, avec aussi contre la Gwen. Après, des fois je solo kill, mais après je run down un peu sa tour, du coup bon. Oui, c'est la question que je voulais te poser, c'est... Est-ce que c'est un excès de confiance qui te donne cette possibilité de vouloir aller la chercher sous sa tour comme tu l'as fait là, dans la game 2 contre la Gwen qui t'a fait mourir ? En vrai, je vous avoue, je suis un peu malade. Du coup, je suis un peu en autopilote. Enfin, je suis pas en autopilote, mais j'évalue pas toutes les possibilités. Et, en vrai, je mettais juste des bonks en boucle sous sa tour et ouais. Bah, à un moment, j'ai grid le bonk de trop et elle m'a tué. Oui, j'ai vu... Après ta mort, t'es quand même allé la rebonk, tu l'as mis en padère, c'est ressorti de ouais. La tour. C'est la magie de Jax en vrai. Hein. Le perso, quand t'es devant, en vrai, tu peux faire ce que tu veux. Si tu joues parfaitement, tu pourras pas être puni. Et dans les teamfights, on voyait que quand même, la Lilia, elle avait du mal à s'avancer. Tu se faisais beaucoup cancel par le Azir et la Janna. T'arrivais pas à avancer. C'était quoi le plan de jeu pour les teamfights quand vous y entrez? Je pense justement on aurait dû penser au plan de jeu parce que les teamfights, on jouait un peu au hasard. En vrai, moi, une fois sur deux, je sautais sur la Janna. Un peu comme un débilos, on peut le dire. Du coup, je prenais juste une tornade ou un E de Vayne. Du coup, voilà, ça se déroulait pas trop bien. J'ai pas pu, pas pu poser le lead que j'avais en teamfight. Mais sinon, globalement, c'était petit flank de Lissandra, follow-up Leona et voilà après. Hein. Ok, mais parce que quand même, après, t'as super bien joué sur les sides. T'as réussi à mettre énormément de pression sur la fin de la game 2 en bot side, de laisser ton équipe faire le Nashor pendant que toi, t'étais en train de détruire la Gwen. Ça j'ai proposé l'idée à la Lilia en fin de game. En vrai, on s'est mis d'accord avec la team. En vrai, c'était une bonne idée. Du coup, j'ai juste side. Et après, c'était chaud. C'était dur pour eux en vrai. Surtout qu'ils n'avaient pas beaucoup de vision avec le nouveau carap. En vrai, si t'as pas la position avant, c'est dur en vrai de contester les objectifs. Donc voilà. Okay. Juste bon que la Gwen. Et voilà. Après, ma team a fait le Nash et on a fini. Et petite dernière question. Du moins pour moi. Si après, qui il en aura, je laisserai parler. Mais. Vous avez fait un fight sous votre T2, deuxième game toujours, en bot lane, où la Vayne a récupéré énormément de kills, vous étiez plus ou moins fait coincé par ce Azir. Encore une fois là, qu'est-ce qui a fait que la team en face a failli prendre le lead sur ce move? Quel était le plan de base pour que tout le monde se regroupe ici et finalement que ça se déchaîne de votre côté? En vrai, je pense honnêtement c'est une mauvaise exécution en vrai. Je pense qu'il y a eu beaucoup de contre-call et de call d'aller en avant. Moi, souvent, je colle un peu de me battre comme un peu un débile. Du coup, je pense qu'il faudrait que je me contrôle sur ça. Mais j'ai tendance à dire Nocturne, go in, go, 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 go. Mm-hmm. Look. Et je pense du coup, il y a des contre-call et teamfight. On n'a pas trop joué ensemble. Et je pense qu'il faut train ça. Et cette erreur devrait plus re-arriver. Mais c'est vrai que c'est Azir. Après les kills qu'il a pris l'Azir, ça a été vraiment un poison, ce petit. Oui. Et bien, en tout cas, je te souhaite de mieux réussir. Merci beaucoup. Non, j'ai pas d'autres questions de mon côté. On va encore une fois te féliciter. On espère que voilà, repose-toi bien du coup si t'étais un peu en autopilote ce soir. Et j'espère voir ce Darius qui a récolté quand même deux bans sur les deux games. Ouais, j'espère le sortir un jour, mais même en stream, il a pas trop sa place malheureusement. Non, malheureusement. Bon, ouais, merci à vous. Merci à toi pour ce soir. Merci à toi. Bonne soirée. À votre équipe. Bien joué. Ciao. Plus. Bon, et ben voilà. Et là-dessus, ouais, et ben là-dessus, nous, de notre côté, on va pouvoir conclure. C'était deux belles games. On aurait pu espérer en avoir une troisième. Mais franchement, mais deux games très serrées. Ouais, on a bien mangé. Ouais. Les Azurix. Deux games remportées par les Azurix. On va du coup vous souhaiter une bonne soirée. Merci à vous d'avoir été présent. Merci à ces deux équipes. Et merci à tout le monde sur live. Merci à vous également, oui. Et je vous dis, normalement, demain, il y a un live d'annonce sur la TV, sauf erreur de ma part, à 19h. 19h, live d'annonce, annonce pas mal de choses. Roster de la Div 1 Elite Series et plein d'autres surprises. Donc soyez là, soyez au rendez-vous. De notre côté, on va vous souhaiter une bonne soirée. Merci encore une fois d'avoir été présent. Encore une fois, bien joué.
à l'équipe Azurix. Et sur ce, bonne soirée. Bonne soirée, Panda. Bonne soirée.